Bonjour et bienvenue à ce webinaire consacré à l'économie bleue des Comores. Mon nom est Saïd Abbas Ahmed et sur le pied levé, je vais remplacer notre collègue Hamidou qui a des difficultés de connexion. Vous connaissez l'état du pays et des infrastructures. C'est toujours un hasard et une chance de réussir à réunir des Comoriens sur Internet parce que nous sommes totalement dépendants du vent, de la pluie et de tout ça. Bref, pour faire très simple, nous avons l'honneur et le privilège aujourd'hui de vous convier à un échange sur la question de l'économie bleue au pays. Cet échange verra la participation de Monsieur Abdallah Madi, qui a fait un master 2 en écologie et gestion des écosystèmes aquatique et il s'est spécialisé dans la protection des milieux marins face aux activités anthropiques, c'est-à-dire les bateaux à moteur et les différentes pêches qui peuvent, sur le temps long, rendre difficile la reproduction des espèces dans l'océan. Nous devrions avoir aussi la participation de notre jeune sœur Houda Abdulbastoa, qui a fait un master en gestion de l'environnement et de la technologie à l'Université des Comores. Ensuite, nous aurons Monsieur Anvum Ibrahim, qui a un master 2 en management de l'environnement et du développement durable à l'Institut supérieur de développement local de Dakar et un master 2 recherche en environnement sédimentaire, spécialiste en géologie marine littorale de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Et enfin, notre frère, le docteur Ahmed, ancien doyen de la faculté des sciences et techniques de l'Université des Comores, il n'est plus à présenter. Il connaît bien le pays, il connaît bien les enjeux liés à l'économie bleue. Il était convenu normalement que Monsieur Saïd Hassan Aboubakar Mohamed Sidi, qui est inspecteur de la marine marchande et chef du service juridique se joignent à ce webinaire parce qu'il faut comprendre que si on fait des webinaires sans la présence des représentants de l'État comorien, c'est difficile de changer les choses. Et donc, on fait toujours des efforts pour les inviter, même si 15 fois sur 3, bon, tout le temps, ils refusent. Mais ces derniers temps, on a eu quelques personnes qui ont été assez audacieuses pour participer aux échanges. Et on doit dire que ça nous aide beaucoup parce que c'est eux qui ont en charge la mise en œuvre des différents programmes. Malheureusement, pour aujourd'hui, il n'a pas pu se connecter. Nous avons essayé de le relancer, mais ce n'est pas le cas. Enfin, le débat devait être animé par Monsieur Hamidou Saïd Ali. Il est doctorant en droit et sécurité des activités maritimes et océaniques à l'Université de Nantes. Et nous avons eu plusieurs collaborations avec lui et il se trouve en ce moment au pays et pour des raisons indépendantes de sa volonté, il est quasiment impossible pour lui de se connecter, raison pour laquelle je vais devoir m'atteler à cette tâche de animer cette rencontre. La coutume veut qu'une fois qu'on a présenté les intervenants, on introduit quelques enjeux pour que les gens situent bien de quoi nous allons parler et de quoi il s'agit. Qu'est-ce que l'économie bleue, qu'est-ce que cela recouvre et qu'est-ce que l'économie bleue peut faire pour un archipel comme les Comores, fragile et isolé? Le travail que je vais faire là maintenant, c'est un travail de lecture des définitions et ensuite je vous passerai la parole dans l'ordre convenu. Les spécialistes nous disent que l'économie bleue porte sur les activités économiques liées aux océans, aux mers et à leurs côtes. C'est ce qu'on peut appeler en fait le tourisme littoral des produits de la mer, du transport maritime, de la construction navale, la production d'énergie marine, les services parapétroliers et paragaziers, tout ce qui est offshore, la gestion des câbles sous-marins, l'extraction des matériaux marins ou encore les assurances et les services bancaires maritimes.
Vous voyez bien que l'économie bleue, c'est énormément d'activités qui, une fois réunies, peuvent générer beaucoup d'argent pour notre pays. Où en sommes-nous? Est-ce que nous avons beaucoup progressé? Est-ce que nous avons rien fait? Lorsque nous avons lancé l'idée de créer ce webinaire, beaucoup de fonctionnaires étaient très fâchés parce qu'on avait initialement intitulé le webinaire Économie bleue, un enjeu économique négligé. Mais en échangeant avec eux, on a accepté de changer et on a intitulé Économie bleue, un potentiel négligé aux Comores. Certains sont encore fâchés au motif qu'il existe une stratégie nationale. Mais tous les pays africains ont, depuis les années 60, des stratégies nationales. Pour autant, ils ne se sont pas développés. Donc, nous, notre fonction, c'est une fonction critique, c'est-à-dire essayer de aider le gouvernement à comprendre les enjeux et à créer des connaissances. Raison pour laquelle, depuis bientôt 2 ans, nous faisons chaque mois un webinaire sur le pays. Et l'air de rien, nous avons créé beaucoup d'heures de connaissances sur notre pays. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'aujourd'hui, les enjeux comoriens sont mieux maîtrisés par les Comoriens eux-mêmes. Il fut un temps où, pour parler de n'importe quoi, il fallait un expert étranger. Il fut un temps où, même pour parler de la fiente de poule, il fallait ramener des Égyptiens aux Comores. Même pour planter des cocotiers, il fallait ramener des Malgaches aux Comores. Aujourd'hui, notre jeunesse s'est beaucoup formée dans les meilleures écoles du monde et certains sont retournés au pays, d'autres n'ont pas eu cette opportunité de retourner. Mais ce qui est réel, c'est que pendant 1 an, nous avons compris qu'il y a une vaste expérience comorienne repartie dans le monde. Nous avons découvert des gens que nous n'avons jamais imaginés. Des Comoriens qui sont directeurs de laboratoire en Chine, un médecin comorien qui dirige toute l'association des médecins sans frontières au Cameroun, plein d'experts comoriens repartis dans le monde entier. Alors, vous allez me demander, mais comment se fait-il que toutes ces connaissances comoriennes ne sont pas mobilisées dans notre pays? Je crois que depuis Saïd Mohamed Cheikh, puisque c'est le dernier président ou le premier que nous reconnaissons comme étant celui qui a essayé de donner une idée à l'unité nationale. Avant, nous avions des autorités locales et à partir de lui, l'idée d'une nation commence. Bon, peut-être que je ne devrais pas m'aventurer dans des choses dont je ne maîtrise pas parce que l'idée de nation, c'est compliqué. Mais ce que je veux dire, c'est que l'élite comorienne s'est toujours pensée comme devant tout connaître, notamment l'élite politique. Or, ce n'est pas possible. Il faut associer les intellectuels et les politiciens. Et c'est comme ça qu'on construira les connaissances nécessaires au développement du pays, chose qui est encore très difficile aujourd'hui. Donc, notre vocation à nous, c'est d'essayer de créer le pont entre ceux qui gouvernent et ceux qui font la recherche et qui produisent les connaissances. Donc voilà les propos introductifs. Je voulais donner quelques éléments factuels sur la pêche aux Comores. Les ressources halieutiques aux Comores font de la pêche un secteur dont le potentiel de développement va bien au-delà du niveau actuel d'exploitation. La pêche nationale comorienne est de type traditionnel et artisanal. La pêche artisanale est un secteur important de l'économie comorienne et représente à lui seul le sixième du PIB des Comores. Actuellement, le pays compte environ 8 000 pêcheurs qui assurent 18 000 tonnes de capture par an, destinées principalement au marché national et à une petite transformation locale qui est le poisson séché ou poisson fumé. Le nombre d'embarcations a diminué de 5 600 embarcations en 2014 à 4 381 embarcations en 2020, dont 2 782 non motorisées, c'est-à-dire 36% motorisées, soit un total d'environ 1 000
599 VDED. Le cadre stratégique pour une politique nationale de l'économie bleue aux Comores considère le secteur de la pêche comme un secteur prioritaire dans l'économie nationale et comme un secteur qui a la capacité d'agir de manière importante à la transformation structurelle de l'économie comorienne, bien au-delà de l'alimentation locale de la population. Il faut ici souligner que quand même, il y a encore des Comoriens qui souffrent des maladies comme le kwashiorkor. Le kwashiorkor est une maladie qui souvent atteint les enfants qui ont des problèmes de protéines animales. Une des manifestations, pas la seule, hein, c'est les enfants ont le ventre ballonné et les cheveux roux. Quand vous avez un enfant noir qui a les cheveux roux, c'est qu'il est malade du kwashiorkor. Et pendant longtemps, ça a été une maladie dans nos communautés. Ce n'est pas acceptable dans un pays où il y a du poisson à gogo, où il y a un peu d'élevage, que les gens souffrent encore de manque de protéines animales. Bref, je continue sur l'argumentaire et après je vous passe la parole. Il faut savoir que le cadre stratégique a été posé. Le secteur halieutique, il peut également générer des créations d'industries de transformation à moyen et à long terme. Entre 2010 et 2019, la production de poissons est passée de 17 000 tonnes à plus de 60 000 tonnes. L'augmentation de ces chiffres est le résultat de l'accroissement des efforts de pêche dans le secteur. La composition des captures de poissons est dominée par des grands pélagiques, c'est-à-dire le thon et les espèces associées, qui représentent environ 70% de la production totale. Malgré cette tendance à la hausse, la croissance du secteur de la pêche au cours des dernières années a été plombée en raison de cessation des activités de la Société nationale de pêche au premier semestre 2017 et le carton rouge infligé par la Commission européenne dans le cadre des accords de pêche, signés entre l'Union européenne et l'Union des Comores depuis les années 80. Ces accords qui d'ailleurs suscitent des interrogations sur l'équilibre des intérêts entre les deux parties contractantes, mettant à mal le développement durable du secteur de la pêche dans cet état côtier. Face aux moyens sophistiqués des pêches européennes, ici il faut expliquer que les Européens payent chaque 5 ans, je crois, l'accord porte sur le droit de venir pêcher dans nos eaux. Il nous donne quelque chose comme 600 000 euros. Pour 5 ans, 300 000 est versé normalement à la filière pêche et 300 000 en aide budgétaire directe. Et le problème, c'est que dans les accords, il est dit que l'État comorien doit vérifier le tonnage de pêche et la taille des poissons pêchés. Mais comme nous n'avons pas les capacités de vérifier, il est possible qu'ils pêchent beaucoup plus que ce qui est demandé. Et il est aussi possible qu'ils pêchent dans les zones interdites. Les zones qu'on appelle zones de frayage, ce sont les lieux où les poissons se reproduisent. Normalement, on n'a pas le droit de pêcher là-bas, parce que sinon, vous allez faire disparaître rapidement la filière. En plus de ça, il y a la pêche sauvage, pratiquée par des bateaux asiatiques. Certains disent que ce sont des bateaux japonais, d'autres disent que ce sont des bateaux chinois. Mais comme on n'a jamais arrêté quelqu'un, on ne peut pas vérifier à qui appartiennent ces bateaux. Face aux moyens sophistiqués de pêche de l'Union européenne, les Comores se trouvent dans une position de faiblesse pour parvenir à contrôler les activités de pêche qui se font dans les espaces maritimes relevant de sa souveraineté, en particulier la zone économique exclusive. Il y a lieu donc de se poser certaines questions sur l'avenir du secteur de la pêche aux Comores, à savoir quels sont aujourd'hui les défis urgents et majeurs auxquels les Comores doivent relever pour le développement de la filière pêche, comment améliorer la productivité de la pêche locale, quels sont les goulots d'étranglement qui empêchent le développement d'une filière de pêche industrielle aux Comores, quelles coopérations de pêche doit-on mettre en œuvre pour assurer le développement durable du secteur de la pêche, comment lutter contre la pêche sauvage. L'installation de la Société nationale de pêche avait suscité un grand espoir pour une solution durable du secteur,
Comment concrétiser cet espoir, sachant que toutes ces initiatives exigent l'investissement d'un capital humain capable de répondre aux exigences du secteur? On se demanderait comment le pays se prépare-t-il pour un tel défi. Il faut rajouter ici qu'il y a une école de pêche qui est à côté de Mtsamoudou, à Mirantsi. Malheureusement, il y a eu des belles initiatives dans cette école, mais ces dernières années, elle souffre de sous-financement et de sous-investissement en capital humain. Donc, la pêche peut représenter réellement un secteur d'activité générateur de revenus, mais il n'y a pas que la pêche. Vous avez entendu au début, lorsque j'ai lu la définition, l'économie bleue, c'est beaucoup d'activités qui peuvent aider notre pays à se développer. Et pour ça, on a besoin de tous ces jeunes qui sont très bien formés et qui ont des connaissances remarquables sur ce qu'il faut faire. Maintenant, si les connaissances ne rencontrent pas l'oreille attentive du politique, on va toujours être au même niveau et on n'arrivera à rien. C'est donc avec un grand plaisir que je passe la parole à Abdillah Himadi, qui va pendant 10 à 15 minutes nous exposer son thème et au passage, il se présentera de façon à ce que il puisse dire davantage sur lui-même parce que ma présentation a été très très brève. Jeune frère, vous avez la parole. Bonjour, je m'appelle Abdoulaye Madi, je viens de Fumbuni. J'ai fait ma licence à l'Université de Comore, à la faculté de sciences, même Dr Archimède était mon doyen. Et je remercie Monsieur Abbas, Dr Saïd Abbas Ahmed, de m'avoir donné la parole, de me présenter et justifier et contribuer à la réflexion organisée par le réseau Comore Initiative et afin d'orienter la politique publique en matière de pêche. Monsieur le directeur de la pêche maritime ou son représentant, Monsieur Archimède Saïd Mohamed, ancien doyen de la faculté des sciences et techniques de l'Université de Comore. Monsieur Andim, cher participant à ce panel, c'est un honneur et un immense plaisir d'avoir été associé à cette importance rencontre envie de réfléchir sur la situation actuelle du secteur et son futur afin de soumettre aux autorités politiques et aux gestionnaires de la pêche une série d'actions et de mesures devant permettre aux Comores de réformer la pêche et ses activités annexes afin d'en tirer le meilleur profit. Le constat unanimement fait est que la pêche recèle un potentiel de développement qui va bien au-delà du niveau actuel d'exploitation. Par ailleurs, il est reconnu qu'un dynamisme accru des activités halieutiques fera du secteur un catalyseur de croissance économique du Comore. Je voudrais rappeler que sur la période allant de 2010 à 2019, les captures réalisées dans les zones économiques exclusives nationales ont régulièrement augmenté. Cette augmentation est le résultat de l'accroissement des capacités de pêche ou de capture. Ainsi, la production totale de poissons est officiellement passée de 17 000 tonnes à plus de 63 000 tonnes. Enfin, il faut noter que les grands pélagiques et les espèces associées représentent environ 70% de la production totale.
Malgré cette progression soutenue des captures, les potentialités halieutiques sont loin d'être exploitées, ce qui veut dire que la pêche et ses activités pourraient contribuer davantage à la transformation structurelle de l'économie du Comore. C'est pourquoi le gouvernement estime que le développement du secteur devrait consolider la sécurité alimentaire et nutritionnelle, ainsi que la création d'emplois décents et durables. Il peut également générer la création d'industries de transformation à moyen et à long terme. Chers participants, toujours je me demande la question. Je me demande une question. Comment y arriver? Et c'est le projet de cette présente forum d'échange. De mon côté, j'y ai un peu réfléchi et je voudrais, à votre permission, soumettre à l'appréciation des immenses experts, des activités privées du secteur et des autres invités à ce forum d'échange les fruits de ma réflexion. Afin d'exploiter les potentialités halieutiques dans nos zones économiques exclusives et de créer un effet d'entraînement du développement de la pêche sur les autres secteurs de l'économie nationale, je pense que l'accent devra mis sur, premièrement, la situation du secteur doit être révisitée et actualisé en appliquant toutes les parties prenantes afin de déceler les menaces sur son développement, les enjeux et les défis majeurs adressés aux gestionnaires de la pêche. Deuxièmement, sur la base de ce diagnostic actualisé du secteur, l'on identifiera et mettra en route le train d'activité prioritaire et de réformes nécessaires ainsi que les conditions de mise en œuvre efficace de dites réformes. Ceci viseront la gestion durable des ressources et l'exploitation et la régénération des rentes halieutiques dans le cadre de l'économie bleue. Troisièmement, sur la base de ce cadre d'intervention sectorielle obtenu, à la fin de deux états ci-dessous, des étapes ci-dessous, l'on procédera à élaboration un cadre d'investissement contenant le projet et programme prioritaire d'investissement public ainsi que privé. Ce cadre d'investissement fournira les indicateurs prioritaires de suivi et d'évaluation périodique des actions et mesures de développement du secteur. Il devra être élaboré d'une manière participative et validé par tous les acteurs publics et privés. Ces divers projets et programmes prioritaires de la pêche vont permettre de resserrer l'action du gouvernement autour de l'objectif global assigné au secteur, comme je l'ai rappelé ci-dessous. La FAO peut nous aider à travers un programme de coopération technique ou encore dans le cadre du programme Économie bleue. La Banque mondiale pourrait être sollicitée à cet effet. Chers participants, tous sont les fruits de ma petite réflexion que je soumets à cette auguste assemblée. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci. Bonjour tout le monde.
Tout d'abord, je dois remercier les organisateurs de cette web virtuelle. Mais avant tout, je vais me présenter. Je m'appelle Andim Ibrahim. Je suis Comorien comme vous. Je réside actuellement aux Comores. Sur ma présentation du point de vue académique, je suis un ingénieur en management de l'environnement et développement durable. Et aussi, parallèlement, je suis titulaire en Master 2 des géosciences, option environnement sédimentaire, spécialisé sur la géologie marine et littorale à l'Université Cheikh Tata Diop de Dakar. J'ai l'honneur aujourd'hui, en ma qualité panéliste, de vous présenter sur la situation de l'économie bleue en général et pour les Comores en particulier. Toutefois, par ma joie d'avoir tenu de cette conférence virtuelle, je voudrais entamer de mon propos à féliciter et remercier Comore Initiative et les différents intervenants pour la parfaite organisation de cette conférence virtuelle. Par rapport à l'intervention précédente ou les différents précédents sur les panélistes organisés sous l'ouverture de cette conférence montrent que le temps est à l'action. Cette action en faveur de l'économie bleue en amont et le climat en aval. Surtout dans ma présentation, on va mettre surtout l'accent sur les facteurs de la dégradation de l'économie bleue. En tant que je suis environnementaliste et aussi géologue, qui intervient surtout dans la protection des zones côtières, je dois parler là-dessus sur la protection sous les facteurs de la dégradation. Mais toutefois, je dois donner une brève une définition sur l'économie bleue, c'est un concept économique relatif à l'économie, à des activités économiques liées aux océans, mers et leurs côtes. Raison pour laquelle je dois mettre l'accent sur la protection des zones côtières pour les facteurs vulnérables des zones côtières. Il faut savoir les océans, la mer et leurs côtes. Mais aussi que les océans sont non seulement des sources d'emploi et de nourriture, mais ils soutiennent également la croissance économique, régulent le climat et contribuent beaucoup au bien-être de la communauté côtière. Selon la Banque mondiale, montre qu'un grand nombre d'habitants dans le monde, particulièrement parmi les plus démunis, dépendent à la bonne santé des océans pour trouver de nourrir. Selon l'Organisation de coopération et de développement économique, OCDE, montre que les océans apportent chaque année à l'économie mondiale une valeur ajoutée de 1,5 milliard de dollars. Source par la Banque mondiale. Selon les études réalisées par la FAO, estime que près de 60 millions de personnes dans le monde sont employées dans la pêche et aquaculture. La majorité d'entre elles vivent dans les pays développement et pratiquent une pêche capture artisanale. Il faut montrer que la santé des océans, des côtes, des écosystèmes marins est primordial pour la croissance économique, la production alimentaire, mais elle est également essentielle à la lutte contre le changement climatique, qui est un défi majeur dans le monde actuellement, que partout on parle de la question de réchauffement climatique. Il faut savoir que les zones côtières contribuent beaucoup sur la régulation du climat. Raison pour laquelle que ma présentation doit mettre l'accent sur les facteurs vulnérables exactement des écosystèmes marins et côtière. Non seulement que l'économie bleue mette beaucoup l'accent sur la pêche Comore, mais aussi il y a beaucoup de secteurs ou des services côtiers qui contribuent beaucoup dans l'économie bleue. Pour cela, je vais vous montrer qu'il existe deux facteurs primordiaux qui dégradent exactement des zones côtières. S'ils dégradent exactement des zones côtières, c'est-à-dire c'est ruine exactement sur l'économie bleue. Donc, il y a les facteurs non seulement naturels, il y a les facteurs anthropiques. Par rapport aux facteurs naturels que je peux contribuer dans notre pays, qu'à chaque pays, on enregistre pas mal, soit des dégâts matériels ou des dégâts, la destruction de certaines infrastructures de base qu'on a enregistrées l'année depuis, je pense, la Kennet qui a passé dans notre pays, qui a totalement ravagé ou a détruit dans plusieurs sites des côtes, et parmi à Fumbuni,
et deux autres régions qui ont beaucoup eu de dégradation. Cela, sous les facteurs naturels, il se répartit en deux. Il faut savoir les facteurs naturels sur les facteurs hydrodynamiques, qui sont les houles, les courants marais, mais aussi les vagues qui interviennent souvent à tous les jours dans les zones, dans les mers, soit dans les côtes rocheuses ou côtes sableuses, qui érodent une quantité de sable jusqu'au niveau de la mer. Il faut savoir encore que les facteurs climatiques, il s'agit de la pluie et la température qui accentuent beaucoup par rapport aux facteurs de la dégradation des zones côtières, qui rendent vulnérables exactement pour les secteurs soit de la pêche ou secteur tourisme au niveau dans les zones côtières. Je veux mettre surtout l'accent sur par rapport aux facteurs anthropiques qui est parmi les facteurs les plus observables dans notre pays, c'est-à-dire c'est l'intervention de l'homme dans les zones côtières. Pour identifier les facteurs anthropiques ou les facteurs l'intervention de l'homme dans son environnement toujours provoque ou dégrade exactement dans ce milieu pour la dégradation dans le milieu, dans l'environnement littoral. Tout d'abord, la croissance démographique. Il faut savoir qu'avant, nous avions depuis aujourd'hui, on compte plus de 1 million d'habitants. Il faut savoir que l'augmentation de la population demande ou l'espace d'habitation. Donc cet espace, la plupart de la population comorienne se localise au niveau dans les zones côtières. Donc la localisation dans les zones côtières encore rend vulnérable exactement sur l'écosystème marin et côtier, surtout la pêche et autres activités de la pêche. Autre activité liée dans les zones côtières. Il faut savoir l'extraction du sable marin et autres, qui est parmi les activités les plus menées, surtout dans l'île Anjoua et Amouéli, ce sont aujourd'hui qu'on enregistre à chaque fois des dégâts sur la destruction des infrastructures dans les zones côtières. Il y a la dénudation des surfaces, la dégradation de la couverture végétale. Ça se fait par soit consciemment ou inconsciemment. Il faut savoir que les plantes ou d'autres plantes comme l'Ipomea pressecaprea jouent un rôle important pour la fixation du sable marin. Si dans les plages, il y a des bilans déficitaires des plages, cela veut dire qu'il n'y aura pas des touristes qui viennent directement visiter dans notre pays. La protection des plages peut aussi contribuer énormément pour l'économie bleue ou l'économie littorale. Surtout, il faut parler sur la pollution industrielle qui contribue ou est domestique. Dans notre pays, il n'y a pas assez beaucoup d'industries, mais il faut savoir que les hôtels qui sont directement localisés au bord de la mer, comme le Ritage, etc., rejettent énormément leurs déchets jusqu'au niveau de la mer. Il faut savoir, il faut comprendre, puisqu'il faut, à part les poissons, la biodiversité marine, parfois il y a la disparition énormément de certaines biodiversités comme des poissons qui sont directement se migrer dans une autre zone. Il y a les déchets domestiques. Il y a manque de politique nationale pour la gestion des déchets domestiques. Il y a les hydrocarbures. Il y a les rejets industriels, les eaux usées et d'autres autres déchets. Par rapport, ce sont des facteurs anthropiques exactement qui engendrent ou qui rendent vulnérables, c'est-à-dire l'économie bleue. Il faut savoir encore que l'aménagement d'un grand nombre des infrastructures sur le littoral est une cause importante pour la destruction de l'économie bleue. Il faut savoir le non-respect de la géologie ou la géotechnique dans une zone exactement. Il faut à chaque fois la construction soit d'une maison ou autre, il faut respecter la géologie de la zone, raison pour laquelle que l'aménagement encore rend vulnérable sur l'économie bleue dans les zones. Moi, je voudrais la mauvaise politique de gestion. Il faut savoir que notre pays a signé plusieurs conventions internationales pour la protection des zones humides, comme la convention de Ramsar. Il n'a jamais respecté, c'est-à-dire les textes juridiques. Il y a la convention internationale pour la conservation des ressources biologiques. Ce sont des conventions ou des textes juridiques qui sont présents, n'ont jamais été appliqués. Il faut aussi la pauvreté des populations.
faut que notre population, que chacun doit construire sa maison. Chacun doit construire sa maison, il doit directement rattacher à l'extraction du sable marin. Donc l'État doit accompagner, il doit trouver d'autres stratégies d'accompagnement comme l'île de Moélie, qui jusqu'alors, ils n'ont pas beaucoup de carrières d'exploitation de sable. Ils ont juste se réfugier au niveau de la mer pour exploiter. Donc, il faut savoir que l'extraction du sable marin contribue aussi pour la destruction, surtout dans l'économie bleue. Il faut savoir encore, après avoir identifié par rapport aux facteurs naturels et les facteurs anthropiques, il faut identifier certaines conséquences qui peuvent engendrer dans le futur ou qu'actuellement on est en train d'observer certaines des conséquences. Pour moi, j'ai illustré trois conséquences majeures. Il y a les conséquences écologiques ou environnementales, la modification des écosystèmes. Il faut savoir quand dans plusieurs plages ou dans plusieurs mers dans notre pays, ils sont totalement modifiés. Dans le cas de Mbachilé, dans la région de Bambao, est totalement est détruit. Il n'y a pas de sable marin, ils sont totalement transportés jusqu'au niveau de l'âge. L'érosion et submersion marine. À chaque fois, on enregistre à chaque année, on enregistre des événements très désastreux. Dans le cas de Foumbouni, actuellement, on trouve dans une situation très compliquée par rapport à l'avancée de la mer. La perte énormément de la biodiversité marine. Donc, il y a encore la modification de la morphologie de plage à chaque mois. À chaque année, on enregistre de cette perte de la biodiversité marine et côtière. Du point de vue économique, c'est-à-dire de conséquences économiques, il y a la destruction des infrastructures. À chaque année, le pays enregistre la destruction des routes qui sont directement tout près au niveau des zones côtières. On enregistre des digues qui sont directement détruites par rapport à l'avancée de la mer. On enregistre des épis ou d'autres, des maisons, des habits ou des localisations de certaines familles sinistrées par rapport à l'avancée de la mer ou la destruction des zones côtières. Mais aussi une troisième conséquence sur conséquences sociales. Pour les conséquences sociales, déplacement de la population menacée par rapport à l'avancée de la mer, la destruction de la zone côtière. Il faut savoir la prolifération des maladies contagieuses, les rejets massifs des déchets au niveau de des zones côtières. La pollution des zones côtières peut, par conséquent, peut engendrer de la prolifération de certaines maladies contagieuses ou la prolifération de certains des insectes, mais parfois qui sont parfois désastreux. Donc, j'ai illustré sur ça. Pour montrer, non seulement si on parle de l'économie bleue, il faut savoir les facteurs qui rendent vulnérables sur l'économie bleue. Et si on parle de l'économie bleue, qui est répartie sur trois secteurs, soit dans les océans, la mer et les côtes, il faut savoir actuellement que nous sommes des pays les plus vulnérables face au changement climatique, qu'on enregistre à chaque année des événements qui sont très compliqués, qui détruisent exactement dans les différents secteurs, dans nos côtes. Et qui, si détruit dans nos côtes, peut rendre vulnérables exactement les écosystèmes, soit marins, éco ou côtiers. Pour cela, pour entrer exactement dans le secteur de la pêche, il faut savoir que la pêche contribue énormément pour le développement socio-économique dans notre pays. Donc, sur cela, j'ai illustré, je fais un petit diagnostic par la matrice FOFOM. Pour illustrer les performances ou atouts du secteur de la pêche, mais aussi montrer les faiblesses ou contraintes liées sur le secteur de la pêche. Mais il faut savoir, pour la performance ou atouts sur le secteur de la pêche, chez nous, il y a l'existence d'une pêcherie artisanale professionnalisée. Dans notre pays, il existe déjà, on appelle les vieux, qui sont toujours permanents, qui peut aller pêcher à partir de pirogues. Donc, c'est un atout, c'est une potentialité que les gens ils ont besoin d'un accompagnement. Il faut savoir qu'on a un degré de motorisation important dans notre pays. Après une étude réalisée, c'était en 2010, 30% sur place et sur un parc et 5 000 embarcations de degrés de motorisation. Il faut savoir que des structures d'appui et conseils plus ou moins opérationnels. Mais il existe, mais il y a un manque d'accompagnement opérationnel. Donc, il est juste que l'État, il doit directement mettre l'accent ou mettre des pressions pour que ces structures doivent fonctionner. Il y a encore
et n'a tout très important la possibilité d'accroître des prises à travers l'élargissement des zones de pêche. Dans notre pays, nous disposons dans les quatre coins des cardinaux de la mer. Donc, on a la possibilité d'accroître encore des prises à travers l'élargissement de la zone de pêche. Il faut savoir la forte demande de produits de la pêche au niveau du marché national, régional et international. Il faut savoir qu'on enregistre à chaque fois que demande, forte demande de produits de la pêche. Il faut savoir encore qu'il existe des niches exploitées dans notre pays qui n'ont jamais été exploitées. Les céphalopodes, le langoustique, les crevettes, ce sont des produits que on peut dire que les blancs toujours a besoin d'utiliser. Il existe des stratégies de développement de la pêche. Au Comores, il y a FAO, il y a AED, il y a l'Union européenne qui intervient, il y a Japon encore, la coopération japonaise qui intervient juste sur au niveau de la côte. Malgré une faible exploitation de ces tonnes, on constate une croissance de la production nationale de poissons qui s'est passée de 6 000 tonnes en 1985 et 16 200 tonnes en 2004. Il faut évaluer en 1985 jusqu'en 2004. Il faut savoir que ce temps par rapport des données a été partagé à partir de comme initiative qui sont qu'il y a énormément de régression sur l'exploitation des ressources halieutiques dans notre pays. Pourquoi tous ces problèmes? Donc, j'ai illustré cette des faiblesses ou des contraintes sur le secteur de la pêche. Tout d'abord, il y a manque d'accès au crédit. Il faut savoir que les coopératives de pêche ou les pêcheurs doivent avoir d'accès de crédit dans les banques. Surtout, avant, il y avait d'accès surtout dans les banques, mais surtout les échéances de paiement sont très courtes, encore qu'avec une échéance très courte, les pêcheurs n'arrivent pas exactement à payer. Il faut savoir que le prix des carburants, surtout du pétrole, sont très élevés que le pêcheur n'arrive pas à amener les activités dans de façon correcte. Il faut encore de l'accès de l'assistance technique et financière. Il faut que des formations, récemment que docteur nous a bien dit qu'il y a des cours de pêcherie en joie. Il faut renforcer ou décentraliser des écoles de pêche pour former des jeunes. Il faut savoir que la pêche doit être une parmi des formations très prioritaires dans notre pays. Il y a encore des facteurs d'urbanisation dans certains pays, dans certaines villes qui sont directement une forte urbanisation dans un côtier. Ils n'arrivent pas à élargir directement dans le port d'embarcation. Donc, il y a encore le problème de conservation. S'il y a une période qui a beaucoup de poissons, il n'y a pas de possibilité de conservation. Raison de laquelle il faut toujours mettre l'accent mettre des moyens de conservation, soit des... ensuite, non seulement pour l'économie bleue, non seulement sur la pêche, il faut savoir du tourisme, au niveau du tourisme. Il faut qu'on parle sur le tourisme littoral. Aujourd'hui, le monde parle de ce qu'on appelle le tourisme balnéaire, qui constitue la forme du tourisme la plus répandue dans le monde. Mais malgré ce tourisme ou ce secteur est plus menacé par rapport aux facteurs de changement climatique, aux phénomènes liés au changement climatique, c'est-à-dire les inondations, la submersion marine, mais aussi l'extraction de sable marin. Il y a le phénomène de déboisement que j'ai bien cité en rond, et ce sont des facteurs aujourd'hui qui rendent la vulnérabilité exactement sur le tourisme littoral. Il faut encore que l'État, il doit mettre l'accent ou il doit mettre une stratégie d'accompagnement ou dans la sécurisation dans certains des sites comme Galawa, comme Itanraya ou d'autres Numashiwa ou d'autres zones qui est directement qui a la présence du sable a besoin d'une protection très 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 importante. Il faut savoir que non seulement dans l'économie bleue n'est pas exactement pour la pêche et le tourisme, il faut savoir dans le transport maritime, il faut savoir dans les services portuaires qui contribuent plus de 60% des recettes locales. Il faut savoir dans le secteur bleu, il y a importance sur l'aquaculture, mais aussi sur les énergies marines qui aujourd'hui dans plusieurs pays utilisent pour les énergies marines. Il faut savoir qu'en notre pays, on peut développer dans le secteur du commerce à partir dans la mer. Pour cela, que j'ai illustré beaucoup pour montrer
que non seulement que l'économie bleue ne manque pas exactement sur la pêche, mais il y a plusieurs services, il y a plusieurs secteurs qu'on peut développer pour rehausser le développement économique dans notre pays. Mais avant de développer, il faut savoir les facteurs qui engendrent la vulnérabilité à ces différents ces secteurs. Donc, pour cela, je m'arrête là. Je présente encore toutes mes excuses au cas où je parle trop vite. Il faut savoir qu'on n'a pas trop l'habitude de parler à tout moment. Et je vous remercie de votre assistance et Marhaba Menji. Bonjour tout le monde. Njakana Bilo ou Kana, on va parler en français. Je ne sais pas si c'était une obligation ou pas. Mais le problème, c'est que ma animateur n'étant pas là, je ne sais pas trop du tout en quelle langue nous allons devoir parler. Est-ce que c'est une obligation de parler français ou... Est-ce une obligation? Bah, pas forcément, mais disons que notre public est, je crois, majoritairement français. Après, ouais. C'est bon, j'ai la réponse. Fondi, Kavati. Kavati Farudi, Sha. Hamande Hali Seni Yahamba, Kaya. Henim Ruyorongo, Hehaya, Joka de Nafas. Wandwa rilunga awe karibu nzarangalie uharuma watangazao ambao kaya wenji wa rilunga ongo Ufaransa ngo la rinyongo maore hiyo ndizo haki wa hamba kaya ondo ndo rishili yao halafu ijwe kanje maikari rongo wa hena mndi rongo wa halalo nafasi kamdungwanzo rongo shikomori alhamdulillah. Non, très bien. C'était juste Nielewe, la raison pour laquelle les jeunes parlaient en français. Mais là, maintenant, j'ai la réponse, donc très bien. Bon, ben, je vais continuer dans la même logique. Alors, bonjour tout le monde, bonjour à tous ceux qui nous suivent, donc qui sont partout. Je me doutais bien qu'à cette heure-ci, au Comore, les gens sont plus préoccupés à... dans les festivités qu'à rester devant les écrans. Donc, je comprends mieux que ça soit majoritairement de gens qui sont de la diaspora. J'ai même vu Anissa qui est à Côte d'Ivoire, qui nous fait signe bonjour. Bonjour à toi aussi. Donc, bonjour tout le monde. Permettez-moi d'abord de me réjouir et d'exprimer tout mon plaisir de voir dans ce plateau en Zoom, de voir dans ce plateau Abdillah Madi. Et donc, il y aurait pu y avoir Abdul Bastoa aussi, qui sont des fruits de notre faculté de sciences à l'Université des Comores. C'est un plaisir de le voir. Ça témoigne à quel point avoir des institutions de cette nature est absolument indispensable dans le monde que nous allons vivre. Et je me réjouis de voir ces jeunes réussir et parler avec autant d'aisance des problématiques de notre époque. Je pense que toutes les définitions ayant été faites, beaucoup de choses ont été dites de manière très habile et de manière très claire. Je ne vais pas rentrer dans ces définitions ni dans cette façon de... Dans cette partie-là, je pense que tous ceux qui nous suivent ont eu largement d'explications sur l'économie bleue et ses avantages. Moi, je vais d'abord commencer par le titre. Si certains ont été choqués par le titre quand vous avez dit un potentiel négligé, pas moi. Moi, je considère que le titre est celui-là. C'est un potentiel qui est complètement négligé. Et je vais vous changer la manière de regarder ces problématiques. Alors, quand vous parlez des Comores, les gens vous disent que c'est un petit pays. En fait, non. C'est justement une méconnaissance de notre territoire qui fait que nous disions que c'est un petit pays. C'est une méconnaissance totale. Et je vais donc vous le présenter autrement.
et vous allez voir apparaître un autre pays. C'est-à-dire, vous avez, si je vous dis, aujourd'hui, si je vous dis l'Autriche, je vous dis la Slovaquie, je vous dis la Suisse, vous serez tous d'accord pour me dire, ce sont des pays qui se portent relativement bien par rapport à nous. La première puissance quasiment, si on regarde le niveau de salaire du monde, le Pays-Bas, par exemple. Eh bien, vous allez être surpris de découvrir qu'en fait, les Comores, si on regarde la totalité de son territoire, je parle de la totalité de son territoire, la partie immergée, c'est-à-dire donc la partie terre, mais aussi la partie mer, ce que nous appelons la zone exclusive, économique exclusive, c'est-à-dire c'est notre territoire. Nous avons obligation de surveiller, nous avons obligation de donner, c'est nous qui pourrons donner des autorisations aux bateaux pour traverser, ça fait partie de notre territoire. Et bien, quand on regarde les Comores dans sa globalité, c'est l'équivalent de la Slovaquie plus l'Autriche plus la Suisse inclus. Donc quand vous partez dans cette logique-là, vous vous dites, mais c'est pas possible, qu'est-ce qu'il raconte encore celui-là? Non, en fait, notre pays représente l'équivalent de la Suisse, l'Autriche et la Slovaquie. Les trois ensemble. Mais dans notre façon de regarder les choses, puisque nous sommes restés encore dans un modèle très colonial, et dans cette façon de regarder les choses, nous n'exploitons que 1,4% de notre territoire. Globalement, voilà ce que nous connaissons des Comores. 1,4% de notre territoire. Même pas 20%. 1,4%. Ça veut dire quoi? Quand on parle des Comores, on parle des 2200 mètres carrés. Kilomètres carrés qui font la partie terre. Mais à côté de ça, il y a 160 000 mètres carrés qui fait partie de notre territoire qui s'appelle la mer. Et donc ça, c'est notre richesse. Et comme depuis 1975, pour ne pas parler d'avant, on ne s'est intéressé qu'exclusivement que de 1,4%, il est évident que notre pays reste exactement là où il est. Parce que ça veut dire que vous n'exploitez même pas le 1/10 de votre territoire. Alors, les gens vont me dire, mais on pêche. Bien entendu, on y pêche. Ça veut dire quoi? Tout à l'heure, j'ai entendu Andrine nous expliquer, et à juste titre, que nous sommes passés de 1984 de 8000 tonnes à 18000 tonnes en 2004. En 2004. Très bien. Faites un ratio sur l'augmentation de la population entre 1984 et 2004, vous verrez que cette augmentation est ridicule par rapport aux besoins réels de notre territoire, de notre population. Population qui augmente, donc des besoins qui augmentent. Et les besoins, c'est pas uniquement, et j'aime bien le thème, c'est-à-dire ne pas parler que de pêche, parce que là, on parle de pêche. Mais moi, j'ai envie de parler, mais le thème, la thématique qui a été soulevée était l'économie bleue. Alors, quand on parle de l'économie bleue, on parle d'assurance. Première question. Pour un pays qui est marin, comme le nôtre, qui connaît un assureur pour assurer des bateaux de l'international? Un assureur comme rien. Nada, on n'en a pas. Parce que c'est un domaine qui ne nous concerne pas, par exemple. Voilà ce qu'on en a fait. On parle de tourisme. Que représente véritablement le tourisme dans notre économie? En réalité, pour le matérialiser, c'est très difficile. Parce que les touristes qu'il y a globalement, ce sont c'est la diaspora qui rentre. Là aussi, ça pose problème. Parce que ça veut dire que nous avons laissé un autre secteur de l'économie bleue, nous l'avons laissé à l'abandon. Alors, j'ai bien aimé les propositions qui étaient faites, mais j'étais un peu déçu parce que j'aurais aimé que ces propositions viennent de vos tripes. Vous savez, les jeunes, quand vous allez à l'école, quand vous allez apprendre, j'aime l'idée que de ce que vous avez appris,
vous sortez ce qui est propre à vous et vous contribuez. Et ça, c'est ça qui va faire la richesse que nous avons. En 2015, conscient du problème des accords de pêche, puisqu'il faut y venir, effectivement, les Comores signent depuis l'indépendance, signent des accords de pêche avec l'Union européenne, le Japon, un peu la Chine, même si ce n'est pas très, très connu de tout le monde. Mais ces gens-là viennent pêcher avec un contrat. Quand vous avez un contrat, c'est-à-dire qu'il doit y avoir quelqu'un qui surveille ce contrat. Tout à l'heure, j'ai entendu, nous n'avons pas des compétences. Non, ce n'est pas vrai. La question n'est pas là. Les bateaux ne veulent pas qu'on aille contrôler ce qu'ils ont pêché. Ce n'est pas que nous n'avons pas des compétences. On n'est pas débiles. On est capable de prendre une balance et de peser. On est capable de prendre un mètre et de mesurer. On n'est pas débiles à ce point-là. Donc, nous avons la capacité d'aller, de monter dans un bateau et de peser. Qu'est-ce que vous avez pêché? Par rapport à ce qui a été dit, qu'est-ce que vous avez pu extraire? Est-ce que vous avez pris ce qui était convenu, ou est-ce que vous avez pris autre chose? Ça, c'est autre chose. Donc, en 2015, la faculté des sciences a décidé, justement parce qu'on nous a tellement répété, qu'il n'y a pas de technicien pour s'occuper, qu'il soit qualifié pour la pêche, contrôler la pêche, etc. Je dis très bien. À la faculté des sciences, on a mis en place une licence de biologie marine. Malheureusement, mademoiselle Abdoulbastoa, qui devait y participer, qui a été formée, a obtenu un diplôme là-dessus. Il y avait une autre personne qui devait participer. Et je me réjouis quand j'ai lu le document qui nous a été présenté, a été rédigé par justement une de ces promotions, donc un étudiant qui est issu de cette promotion-là. Eh bien, il peut vous confirmer sur cette promotion et la promotion suivante, pas une seule personne a été recrutée pour pouvoir aller faire ces contrôles. Pourtant, c'était ça l'objectif de cette formation-là. C'était d'avoir les inspecteurs, les gens capables d'aller jusqu'à là-bas et pour y aller vérifier qu'est-ce que ces gens-là pêchent. Mais jamais ils ont été ni recrutés, et encore moins ceux qui sont à la direction de la pêche. Personne ne vous dira « j'ai accès au bateau, je sais quelle période ils sont venus, etc. etc. » Donc, à un moment donné, il faut savoir être beaucoup plus pragmatique et beaucoup plus cohérent. Si nous sommes des marins, parce que mécaniquement, nous le sommes. Nous sommes des gens de la mer. Ça veut dire que nous avons un comportement qui doit être complètement différent. Notre regard à la mer doit être complètement différent. Premièrement, nous sommes dans un pays où nous sommes ultramarins, et sur 100 Comoriens, il y a à peine 10% qui savent nager. C'est étonnant que dans notre enseignement scolaire primaire, nous n'intégrons pas automatiquement le besoin qui est vital, que chacun puisse nager au cas où il y a une inondation, au cas où on doit se déplacer d'une île à une autre et que le bateau coule. Ben, concrètement, ça montre à quel point nous n'avons toujours pas intégré cette dimension que nous sommes des marins. Le fait que nous ayons, nous accordons des accords, nous fassions ces accords de pêche pour permettre à des gens de venir, entre guillemets, il faut employer le mot puisqu'il faut le dire, piller notre seule ressource qui est le poisson. Puisque nous sommes des marins, c'est notre seule ressource. Montre que nous n'avons pas compris que c'était notre seule ressource. Parce que si nous avions compris que c'était notre seule ressource, à aucun moment on fait un contrat de pêche avec quelqu'un pour venir prendre ce que nous avons sans que nous ayons toutes les garanties, tous les garde-fous pour nous assurer que cela va nous être bénéfique. C'est pas possible de s'imaginer ça. Alors, allez imaginer dans votre tête, essayez dans votre façon de penser, d'imaginer le Qatar qui décide de dire, bon, je fais des contrats avec des pays étrangers, venez prendre le pétrole. Quand vous le présentez comme ça, tout le monde va dire, mais il est cinglé celui-là. Et bien, c'est exactement ce que nous faisons. Étant marin, la pêche est notre ressource. C'est notre richesse. La mer, c'est notre richesse. Nous n'avons pas, jusqu'à maintenant,
essayer d'intégrer que l'énergie de notre d'ultramarin, c'est la mer. Nous devons tirer notre électricité de la mer. Il faut arrêter de penser que notre électricité va continuer à être produite par des groupes électrogènes depuis la Mathusalem jusqu'à maintenant. Notre énergie doit venir d'éoliennes offshore, doit venir de l'électricité qui est liée aux vagues. Tout cela signifie, un, que nous mettions dans notre pays les formations et que nous mettions les moyens nécessaires pour former et avoir les techniciens, les ingénieurs, les hauts cadres formés pour produire de l'énergie de la mer, pour produire de l'électricité de la mer. Ça, on passe à côté de tout en disant, non, ils ont des langues wazungu, il faut laisser wazungu afanye. Si vous me permettez l'expression en comorien. C'est comme ça qu'on a toujours fait. C'est d'ailleurs le même principe qu'aux wazungu nous ont appliqué quand ils nous ont imposé le franc CFA. Ils nous ont dit, oui, c'est une affaire de grands économistes, vous n'avez pas les compétences, laissez ça, on va faire ça pour vous. Jusqu'à maintenant, on a des économistes, on est encore là. Eh bien, c'est pareil. Vous savez, dans les années 70, quand il y a eu le premier choc pétrolier qui a fait fondre l'économie mondiale, qu'est-ce qu'on fait le pays? Tous les pays du monde ont décidé de trouver un moyen de produire de l'énergie. Si je prends l'exemple de la France, par exemple, dans les années 70, ils n'avaient pas un spécialiste du nucléaire, civil, je parle, du nucléaire civil. Mais ils ont décidé depuis cette année-là en disant, à partir de maintenant, notre électricité, nous allons le produire à partir du nucléaire. Et ils ont mis tous les moyens pour avoir les meilleurs ingénieurs, les meilleurs techniciens, les meilleurs spécialistes dans un domaine qui est leur domaine. Voilà le problème. C'est de dire, la première chose, c'est de se dire, quel est le domaine de définition? Nous autres scientifiques, on aime bien avoir notre domaine de définition. Une équation n'est vraie, une solution n'est juste que quand vous avez bien défini votre domaine de définition. À partir du moment où vous continuez, les gens continuent à penser que nous sommes des continentaux, notre logique de fonctionnement n'a toujours pas intégré la mer. Aujourd'hui, on parle d'économie bleue. J'ai l'impression que les Comoriens viennent de découvrir l'économie bleue, comme si c'était un concept qui était nouveau. L'économie bleue, ce n'est pas un concept nouveau. Regardez la bataille que mène l'Angleterre contre l'Union européenne à cause de la mer, juste pour dire est-ce que vous avez le droit de pêcher chez nous ou pas. Regardez le génie allemand, comment ils investissent dans les éoliennes offshore. Regardez les grands groupes industriels du monde ou les grands groupes de grandes banques qui ont investi dans l'assurance pour le déplacement dans la mer. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on découvre ça. Ça, c'est connu depuis. Les Occidentaux utilisent ça depuis. Mais à chaque fois, ils passent leur temps à nous envoyer des sucettes que nous autres Africains continuons à téter en espérant que les choses vont arriver. C'est comme la tétine qu'on donne à des bébés. Donc, on nous donne des expressions et nous découvrons, ah, c'est nouveau. Mais non, c'est pas nouveau. Ça fait des années qu'ils ont mis une industrie, eux. Aujourd'hui, un bateau de pêche est aussi équipé qu'un sous-marin militaire. Donc, ça veut dire que si on veut vraiment pêcher, on ne peut pas se contenter de dire on a quelques moteurs, quelques quoi ça de plus. Non, il faut passer à un niveau supérieur. Il faut se dire que nous avons une population à nourrir et cette population doit être nourrie. Il faut se dire que nous avons besoin de vendre notre poisson et de pouvoir acheter d'autres services et d'autres matériaux dont nous n'avons pas. Tout à l'heure, vous avez parlé de l'extraction du sable de la mer. Oui, je fais exprès de partir de Kokalan. Ça va perturber pas mal de gens, je vois des commentaires. C'est normal, parce que j'aimerais bien que tout le monde intègre cette idée qu'un ultramarin doit devenir un ultramarin. C'est inadmissible de penser que vous êtes des ultramarins, que vous continuez à réfléchir comme des continentaux. Vous n'êtes pas des continentaux. Je prenais un autre exemple qui va vous confirmer que nous ne sommes toujours pas ultramarins. C'est la manière de récupérer de l'eau. On dit de l'eau, on veut de l'eau. Eh bien, en tant qu'ultramarin, on se dit, notre source hydrique, c'est l'eau de pluie. Par contre, toute la stratégie qui a été mise en place pour produire de l'eau, c'est d'aller de pomper dans la mer et après de dire, ah, l'eau est un peu salée. Mais c'est normal qu'elle soit salée. Vous êtes ultramarin, vous raisonnez comme des continentaux. Les gens qui vont aller pomper des nappes phréatiques, c'est des continentaux. Nous, on doit aller chercher l'eau de pluie qui tombe
la stocker, la conserver, parce que nous avons des raisonnements d'ultramarins. Nous ne pouvons pas aller chercher l'eau de mer. Elle sera toujours salée. Sinon, il va falloir la dessaler. On n'a pas les équipements, ni les moyens, les investissements pour ça. Donc, pour revenir à ce que je disais, c'est que c'est une tendance, c'est une façon de penser qui doit complètement disparaître pour regarder les Comoriens comme étant des ultramarins. Et donc, à partir de ce moment-là, de nous dire notre richesse, c'est la mer. Et si notre richesse, c'est la mer, c'est là où nous allons mettre le paquet. On met le paquet, ça veut dire mettre le paquet ne veut pas dire attendre un projet SUIFO, un projet PNUD, un projet FEM pour faire les investissements dont on a besoin. Allez regarder aujourd'hui, si vous avez un lieu où on produit de la glace, ça veut dire que c'est un projet FEM, c'est un projet du PNUD, c'est un projet de... À un moment donné, quand c'est notre outil, c'est notre avenir, quand c'est notre seule richesse, eh bien, on met le paquet là-dessus. Parce que c'est là où il y a des emplois. C'est là où il y a de l'énergie à prendre. C'est là où il y a de la nourriture à prendre. C'est là où il y a des emplois à prendre. Autant des emplois dans le primaire, dans le tertiaire. Nous avons des emplois à aller chercher dans ces domaines-là. Sinon, nous pourrons avoir toutes les personnes formées du monde. Mais s'il n'y a pas la volonté et la bifurcation intellectuelle du politique qui va dire « Non, ce n'est pas comme ça qu'il faut raisonner. » Il faut poser la question comme ça, essayer de trouver la solution. Si, on peut arriver, Anvim va arriver avec son diplôme, Abdillah va arriver, tous les autres vont arriver et vont se trouver dans un bureau assis à regarder le jour où il y a un projet financé par le PNUE pour pouvoir aller dire, nous allons mettre une aire protégée. Une aire protégée. Parlons-en des aires protégées. Parce qu'on a vu un décret récemment, très très bien, qui a créé des aires protégées. C'est très bien, les aires protégées. C'est très bien. Il faut protéger nos côtes, il faut protéger tout ça. Maintenant, il faut protéger ça pour s'assurer que la biodiversité va pouvoir s'épanouir. Et donc, à ce moment-là, nous aurons des poissons, nous pourrons pêcher pour notre génération, les générations futures, etc. C'est très, très bien. La logique est bonne. Mais si on part dans cette logique-là, tu ne peux pas mettre une aire protégée et donner accès à des gens qui ont des équipements, qui peuvent même aller attirer le poisson, quel que soit là où il se trouve, ou qui peuvent même détecter une aiguille que tu as jetée dans la mer, et leur dire, venez pomper. En gros, ça veut dire, à partir du moment où tu as fait ça, soit tu fais une aire protégée et tu mets en place des infrastructures, toi, en tant qu'État, pour pouvoir aller pêcher, exporter cette richesse et nourrir la population. Mais si tu mets une aire protégée pour donner des contrats à des gens de l'autre côté, en gros, nous sommes devenus des gardiens. Nous sommes les surveillants de leurs poissons. C'est leurs poissons. Nous surveillons. Nous veillons à ce que les poissons puissent se reproduire. Nous veillons, etc. C'est un scandale d'imaginer comme ça. Vous imaginez l'état d'esprit? Voilà où est-ce que nous en sommes. Nous sommes les gardiens des bateaux de l'Union européenne. Nous sommes les gardiens des bateaux de pêche du Japon. Oui, le Japon nous donne quelques kilos de riz. D'accord. L'Union européenne, on a cité, vous avez dit, en 5 ans, les contrats de 5 ans, ils nous donnent l'équivalent de 600 000 euros. Quelques GPS et tout le monde applaudit. On fait des grandes cérémonies. Tout le monde veut applaudir. Les pêcheurs ont eu des GPS. Un GPS, ça coûte 100 euros. Ça coûte 30 euros. De quoi tu me parles? Sérieusement, de quoi vous me parlez? Soyons sérieux. Prenons-nous au sérieux. Si nous devons nous prendre au sérieux, les autres nous respecteront. Sinon, les autres ne nous respectent pas. Mais là, en l'occurrence, ces contrats de pêche, c'est juste de la poudre aux yeux des gens qui se moquent de nous. Regardez la bataille qu'il y a entre l'Angleterre et l'Union européenne aujourd'hui. Tout ça, pourquoi? Pour savoir où est-ce que vous avez le droit de pêcher, combien de kilos vous avez le droit de pêcher, comment nous allons contrôler les kilos que vous avez pêchés. C'est une bataille, ça date depuis le Brexit jusqu'à aujourd'hui. Ils n'ont toujours pas trouvé de solution. Et nous, bismillah, la mer, c'est à vous, prenez. Pêcher, etc. Nous, on va trouver des solutions pour nous en sortir. Comment? Vous voyez un peu l'aberration dans laquelle nous sommes. Nous sommes dans la contradiction totale entre ce que nous sommes. Le transport. Tout à l'heure, je pense que ça doit être Ali qui expliquait que les pêcheurs n'avaient pas les moyens parce que de pouvoir avoir ne serait-ce du pétrole
pour pouvoir aller pêcher plus loin. C'est vrai. On est dans le rare pays du monde où l'énergie n'est pas le coût de l'énergie n'est pas différencié. C'est-à-dire qu'un industriel ou un professionnel n'a jamais eu un prix tarifé qui lui est proposé en tant que professionnel. Mais c'est le prix pour tout le monde. L'essence, le prix pour tout le monde. Donc, celui qui le taximan, par exemple, il paie le même frais, la même chose que n'importe qui va se promener avec sa voiture. Et donc, c'est pareil. Celui qui veut acheter le pétrole pour aller pêcher, eh bien, finalement, il ne peut pas. Parce que c'est le même prix que celui qui va utiliser, etc. Donc, en fait, on parle d'améliorer les conditions de vie et de travail des pêcheurs, mais en réalité, rien n'est fait dans ce domaine-là. Rien n'est fait. On va attendre un projet d'hôtel qui va financer quelques pêcheurs, quelques moteurs, quelques bateaux. Non, c'est fini ça. On est en 2022, pardi. Et en 2022, notre façon de penser, on doit arrêter d'être le nègre qui ne comprend pas dans quel monde où il vit. On doit être capable de nous asseoir de nous-mêmes. C'est pour ça que j'ai dit que les jeunes m'ont un peu déçu, parce que je n'ai pas vu ce qui est sorti de leur trip. Vous avez fait des études, sortez-moi quelque chose de vos tripes. En disant, voilà, nous regardons notre société, nous regardons notre monde, nous regardons 2022, et de cela, on sort ce qui doit être la solution pour notre pays. Pas de répéter ou de sortir les déclarations qui sont issues des projets, PNUD, machin, etc. Ils ont leur démarche pour aller trouver des financements. C'est très bien, mais le Comorien qui parle au Comorien, comme Johnny Sammy, quand on parle entre nous, il faut parler avec le cœur. Et le cœur, lui, il dit on doit nourrir notre population. Le cœur dit on doit protéger nos côtes. On doit arrêter de prélever le sable. Oui, c'est vrai. On doit arrêter de prélever le sable. Mais pour cela, il aurait été plus simple de montrer à ceux qui sont en Moëlie et de leur donner la capacité d'avoir des briques en terre cuite ou en argile et qu'ils n'aient pas besoin de faire des briques avec du sable. Elle est où la difficulté là-dedans? Tu es ultramarin, tu penses comme un ultramarin. Qu'est-ce que j'ai? Du sable. Ah ben non, il ne faut pas prendre le sable. Si tu prends le sable, la mer va monter. Donc, quelle est l'autre solution? Qu'est-ce qui me reste comme ressource? De l'argile. Il y en a plein à Moëlie. Il y en a plein en juin. Pourquoi ils ont besoin de concasser? Pourquoi ils ont besoin de sable? Une autre logique que nous avons oubliée. Tout cela fait que, je reviens à ce que je disais, nous faisons des diagnostics avec un regard d'occidentaux qui est venu nous dire dans des cadres d'ateliers, de formation, etc. Voilà comment vous devez penser. Mais je ne retourne pas dans la jeunesse ce qui est sorti de leur cœur en disant « moi, je suis comorien, fier de l'être, mon territoire, il est de là à là, quelle est la solution pour trouver comment je vais résoudre mes problèmes aujourd'hui ?» Je me rends compte que j'ai un peu mobilisé la parole pendant un certain temps. Je n'ai pas présenté ce que je voulais présenter parce que les jeunes avaient fait des présentations, on va dire, académiques qui étaient très bien. Donc, j'ai préféré laisser parler mon cœur. Merci. Je sens que Samy va nous poser plein de questions. Merci pour cette intervention. Pour le coup, les questions. Il y avait eu une question plutôt, et ça, c'était donc Fissi Anissa qui demandait ce qu'on pouvait mettre en place pour lutter contre la dégradation déjà connue. Et je pense que c'était une question qu'elle avait posée durant l'intervention de Abdina. La question peut être, vous pouvez, l'un de vous deux peut répondre, vous deux, il n'y a pas de problème. Alors, et juste la petite parenthèse, j'ai mis un lien en fait pour ceux qui voudraient carrément nous rejoindre pour poser leurs questions ou pour ajouter des éléments. Donc le standard est ouvert. Donc voilà, merci d'être concis, avec une question précise et bien sûr de rester courtois. Donc voilà, Je vais me permettre de répondre à la première question et de donner mon point de vue de manière le plus simple, c'est-à-dire qu'il faut voir
les dégradations qui sont connues, c'est-à-dire l'érosion, les déchets qui partent. Là, quand on parle de déchets, on voit les sachets donc, qui partent, qui sont entraînés. Il suffit d'aller à Itsanda quand on est en forte pluie pour voir l'eau qui descend, qui ramène le plastique vers la mer. Ça, c'est la partie où vous avez les dégradations qui sont issues, qui sont dues à l'extraction du sable, les dégradations qui sont dues à ceux qui pêchent à la dynamite. Je pense que cela peut être résolu en appliquant stricto la loi. Parce que nous avons d'énormes articles, il y en a plein qui interdisent la pêche à la dynamite. C'est interdit. Donc, si on te surprend en train de faire des explosions dans un coin, c'est interdit. Il suffit juste qu'on ait des gardes-côtes qui soient équipés, pas des gardes-côtes qui attendent que l'Union européenne leur donne un litre d'essence pour pouvoir déplacer leur bateau. Non, c'est de se dire, on a besoin d'avoir plus de policiers dans la mer que de policiers sur la terre. Et donc, à ce moment-là, on a des gardes-côtes qui surveillent, qui veillent à ce que personne ne dégrade. Ça, c'est une première façon de faire. La deuxième façon de faire, c'est de dire comment on remplace l'activité, c'est ce qu'on appelle dans le jargon projet, les AGR, comment on met en place des activités génératrices de revenus pour substituer ce qui se faisait par d'autres. Je prends un exemple. On a parlé tout à l'heure des octopus, poeza, comme on dit chez nous, poeza, mboeza, peu importe là où vous êtes, vous dites comme vous voulez, la poulpe, par exemple. La manière de pêcher le poulpe jusqu'à maintenant, c'est toujours la même. C'est-à-dire, il y a des dames qui arrivent avec des pics et qui dégradent les coraux au fur et à mesure pour récupérer. Depuis des millénaires, les gens, ils pêchent ça autrement. Les Espagnols le font, les Grecs le font, les Marocains le font. Plein de pays savent faire. Il est temps maintenant de former des gens à produire, à pêcher le poulpe différemment pour ne pas dégrader davantage. Maintenant, le plus dur, et c'est là où j'ai l'impression qu'on ne fait pas très attention. On peut arrêter de dégrader. On arrête de prendre le sable. On arrête de polluer. On arrête toutes les activités aux Comores que nous faisons qui sont dangereuses pour notre écosystème et donc pour notre survie. Quand on les arrêtera, est-ce que la mer va arrêter de monter? Faux. La mer n'arrêtera pas de monter. Pourquoi? Parce que ceux qui sont à l'origine de ça ne font rien. La mer monte parce que la température la mer monte parce que la température, donc il y a ce qu'on appelle le changement climatique, donc vous avez la température qui continue à augmenter. Nous allons arriver Jeff parle de 2%, de 2 degrés de plus pour les 10 années qui arrivent. Ça veut dire que la mer va continuer à monter. Ça veut dire que le jour où un Comorien se trouve à la COP, je ne sais plus, ils sont à COP 26 maintenant. Il ne se présente pas là-bas en disant, oui, les gens, soyez gentils, donnez-nous un peu d'argent. Non. La vraie stratégie qui doit être mise en place, c'est que les Comoriens invitent tous les ultramarins, le Seychelles, Maurice, Wallis et Futuna, tous les ultramarins du monde, et qu'on fasse un bloc et que quand on va dans ces instances-là, on va leur dire, attendez messieurs, vous polluez, la température augmente et c'est nous qui sommes les premiers à prendre les kénètes et tous les cyclones du monde. Ça, c'est les cyclones, ce n'est pas nous qui sommes responsables. Il l'a dit tout à l'heure assez habilement, on n'a même pas d'industrie. Ce n'est pas nous qui réchauffons la planète. C'est eux qui réchauffent la planète, qui réchauffent la planète. Donc, ça veut dire que quand on va devant eux, eh ben on n'y va pas pour aller mendier. On va là-bas pour dire, vous polluez, vous payez. Vous polluez et vous payez.
Et on exige, on n'arrive pas là-bas pour supplier de l'aide. On arrive là-bas pour dire, si aujourd'hui j'ai un cyclone, c'est votre faute. Donc, c'est à vous de payer les digues que je dois construire à Fumbuni ou à Joyezi. C'est à vous de les construire. Ce n'est pas un projet qui va nous aider. Non, c'est à vous de le construire parce que vous êtes coupable. Vous êtes coupable de destruction climatique. Ils ont des usines, ils produisent des tonnes et des tonnes de gaz à effet de serre. Ils ont pris, cette planète a été prise par une petite quantité de la population du monde qui décide de ce que nous allons devenir. Non, à un moment donné, il va falloir que les ultramarins puissent se tenir droit sur leurs bottes et dire, messieurs, mesdames, vous avez fauté. Nous autres Africains, on n'a pas participé à la révolution industrielle. Parce qu'à cette époque-là, quand vous étiez en train de faire la révolution, de la première révolution industrielle, à ce moment-là, nous, on était enchaînés, on était esclaves. Quand on faisait la deuxième révolution, celle qui a abouti à l'électricité, on était colonisés. Donc, dans tout ça, on n'a pas participé. Donc, aujourd'hui, nous sommes en train de payer, nous sommes les victimes des fautes de nos bourreaux. Et quand on se présente devant eux, et ça, j'ai envie de regarder tous les jeunes en disant, quand vous allez devant eux, vous leur dites droit dans les yeux, vous avez fauté, vous avez détruit notre environnement, vous payez le fait que nous allons devoir déplacer toute la ville de Mutsamehuli, parce que d'ici 10 ans, la mer sera là où se trouve le marché. Et donc, il va falloir qu'on déplace la ville de Mutsamehuli pour aller construire. Qui paye ces maisons quand on va devoir les reconstruire? Et bien, c'est celui qui a fauté. Et ça, il faut d'abord intégrer que nous sommes hommes capables de faire des propositions et capables de tenir tête aux autres. Merci. Peut-être qu'Abdillah veut rajouter. Oui, je veux rajouter quelque chose. Je veux dire que la déforestation aussi a un impact direct sur le milieu marin. Puisqu'on peut parler de réchauffement climatique, les plantes assurent beaucoup de nécessité d'absorber les CO2. Donc, si on coupe les plantes, l'océan, le CO2 va aller dans l'océan parce que l'océan est aussi un système de regorge, peut regorger beaucoup de CO2 qui va aussi accumuler et faire de telle sorte une acidification et disparition des espèces. Donc la déforestation au Comore est tellement importante de telle sorte qu'on ne pense pas de reboiser aussi pour lutter contre le changement climatique et aussi la résilience de notre écosystème. Non. C'est ça ce que je voulais ajouter un peu pour ce qui se passe actuellement. Là, je veux me permettre de rebondir sur ce que Abdillah vient de dire, très justement. Effectivement, la déforestation est... c'est une catastrophe dans des territoires comme le nôtre. Non pas parce que les plantes sont ce qu'on appelle, donc, absorbent donc le CO2, donc sont ce qu'on appelle des puits à carbone, puisque nous sommes dans des petites îles, et étant dans des petites îles, la mer est le plus grand puits de carbone. Donc la déforestation est problématique parce qu'elle elle fait en sorte que chaque petite pluie devient une catastrophe pour le pays. Une petite pluie, ben parce qu'après, il n'y a rien. L'eau n'arrive plus, comme on n'a plus d'arbres, et ben l'eau n'arrive plus à s'enfoncer. Au lieu de s'enfoncer, donc l'eau va traverser. En traversant, de plus en plus violent. Je pense que tous les habitants de Vouvouni vous le diront. La déforestation sur le long de la forêt du Kartala est en partie à l'origine donc de ce qui leur arrive aujourd'hui à chaque moindre pluie,
la ville est en état de catastrophe. La deuxième chose qu'il faut dire, effectivement, il ne faut pas déboiser, mais la question est comment la personne qui ne peut pas, qui se trouve, je prends un nom au hasard, non, je ne vais pas prendre de nom pour ne pas froisser des gens si je parle de leur village. On va prendre un village qui est très reculé, qui est de l'autre côté, et on leur dit, vous n'avez pas la possibilité de prendre des fagots pour aller faire la cuisine. Mais ils font la cuisine avec quoi? Avec du gaz? Ils n'ont pas les moyens de le payer. De l'électricité? Vous imaginez des plaques électriques dans un pays où le pays où le kilowattheure est le plus cher au monde? Impossible. Donc, concrètement, quand on dit il faut arrêter de déboiser, très bien, je suis d'accord, mais il faut trouver, il faut leur proposer l'alternative. Et là, l'alternative, effectivement, c'est de faire avec l'électricité. Et ça suppose que nous avons décidé d'utiliser notre mer pour produire de l'électricité, notre soleil pour produire de l'électricité, et avoir le moyen à ce que les gens puissent cuisiner avec des plaques électriques au lieu de cuisiner avec des fours au feu de bois. Un deuxième facteur qui est à l'origine du déboisement, et je ne sais plus, si je retrouve cette étude, je vous l'enverrai, une étude qui parle d'une perte, notamment de l'île d'Anjouan, qui a perdu 80% de ses rivières de surface, uniquement dû à la production de l'huile essentielle d'Ilang-Ilang. Sauf que j'ai bien regardé dans votre projection, quand vous avez parlé d'export et de balance économique, le produit que vous avez cité, c'était l'Ilang-Ilang. C'est-à-dire, c'est le produit qui contribue de manière assez importante à, je ne dirais pas réguler, puisque notre balance est tellement déséquilibrée qu'on ne parle plus de réguler. Mais c'est les rares produits que nous exportons. Que faire? Abandonner? Les abandonner? À la place, on les remplace par quoi? Donc, vous voyez, ce sont des choses qui sont graves, sérieuses, et que je trouve que certains les prennent de manière superficielle. Et ça, ce n'est pas bon. Vous m'entendez? Oui. Ouais, ok. Ok. On a eu également des questions. On a eu aussi une intervention là, de Useful Joy qui semble un peu désespéré là. Qui me dit que les grands États, je pense que c'est en réponse un peu à ce qui a été dit par le docteur Hachmet. Donc les grands États ne paieront jamais pour les fautes qu'ils ont commises. Nous n'avons aucun contrepoids à proposer, donc ils feront ce qu'ils veulent. Les Maldives sont allés pleurer au Coop, donc ce dont tu parlais là tout à l'heure, et n'ont rien eu. Donc parler ne servira à rien. Les Comores sont indépendantes depuis 50 ans. Mettre toujours la faute sur les grands États pour notre manque d'industrialisation, c'est trop facile. Notre société entière est trop archaïque. Que peut-on répondre à cet internaute qui semble un peu déçu de tout ce qui s'est passé jusque-là, quoi? J'ai envie de lui dire, il a pas tort. Il a pas tort. On n'obtient pas des réparations en pleurant. Effectivement, pendant des années, nous avons joué sous la fibre sentimentale. Les Africains, on sourit beaucoup. On est gentil. On nous met une claque, on tend l'autre joue. On sourit. Quelle que soit la situation, on sort des grands sourires. Mais à un moment donné, quand la situation est grave, il faut employer des moyens beaucoup plus graves. Effectivement, il n'a pas tort quand il dit « les Maldives sont partis pleurer tout seuls ». Oui, effectivement, les Maldives sont partis pleurer. Ils n'ont rien eu parce qu'ils sont partis pleurer tout seuls. Que se passerait-il si les Comores, en association avec Mozambique, avec une relation avec tous les autres ultramarins qui sont à l'origine qui sont les lieux où passent tous les trafics maritimes du monde, on n'a pas de contrepoids proposé, je ne suis pas d'accord. Tous les bateaux qui apportent le pétrole
du Moyen-Orient passe par où, cher ami? Dire qu'on n'a pas de contrepoids, c'est se mettre dans la position de l'Africain victime qui dit « Ouais, mais si je fais ça, ils vont nous tuer. » Oui, peut-être. Peut-être. Qui ne mourra pas? La question n'est pas comme ça qu'il faut la poser. Il faut déjà se mettre tous ensemble, tous les ultramarins, et de dire « Allez, venez, on va s'asseoir, on va discuter et on va y aller ensemble et exiger les réparations. » Pas pleurer pour. Maintenant, je suis d'accord quand il dit « On ne va pas continuer à rejeter la faute aux autres quant à la situation de l'Afrique en général. » Pas que des Comores. C'est la situation de l'Afrique en général. C'est-à-dire que nous avons un modèle économique qui est complètement inadapté à nos besoins réels. L'économie africaine aujourd'hui est complètement à l'ouest de l'économie qu'elle devrait mener. J'en veux pour exemple, tous les pays africains passent leur temps à construire des ports. Pourquoi ? Pour pouvoir exporter et importer. Sauf combien de pipelines partent du Nigeria pour aller dans un pays et dans un autre pays africain. Vous avez vu que les Russes, malgré les conditions difficiles ou leur désaccord total, eh ben ils ont créé des pipelines, des gazoducs qui leur permettent de vendre le pétrole avec les Européens. Eh ben le Togo produit du pétrole, le Gabon produit du pétrole, le Nigeria est une puissance pétrolière, le Mozambique maintenant. Tous ces pays qui produisent du pétrole dont on a besoin pour nous industrialiser. Parce que industrie veut dire énergie. C'est deux mots qui sont inséparables. Tu ne fais pas d'industrie si tu n'as pas contrôlé l'énergie. On parle d'économie bleue, allons-y. Si vous voulez parler d'économie bleue, il faut régler le problème d'énergie. Les pêcheurs, ils peuvent pêcher. Quand ils pêchent, ça pourrit devant les ports de pêche. Pourquoi ? Il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de système de stockage. Tant que tu n'as pas réglé le problème de l'énergie, tu ne règles pas le problème de développement. Les deux sont liés. L'Europe est passée du tiers-monde à pays développé à partir du moment où ils ont contrôlé le secteur énergétique. Les pays africains n'ont jamais réussi à contrôler le secteur énergétique. Mais au lieu de construire des moyens de nous permettre, du Nigeria, on produit du pétrole, du gaz, etc., qu'on va vendre en Afrique, eh ben non, tout cela est orienté vers le haut. Donc, mon ami, tu ne peux pas dire que ce n'est pas la faute des autres. Ben non, en fait, ils nous ont orienté le cerveau en disant, ben, regardez vers nous. Et donc, tout ce que nous produisons doit aller vers le haut. Vous dites à quelqu'un quel est le meilleur chocolat du monde, il va vous dire, c'est le chocolat qui est produit en Suisse. Il n'y a pas un seul cacaotier en Suisse, que je sache. Mais tout ce que nous avons est orienté vers l'extérieur. Donc, on passe notre temps à construire des ponts, des ports, au lieu de construire des rails qui nous permettent d'amener des trains partant de l'Est à l'Ouest africain, nous permettant de travailler, nous, ensemble. Et donc, on essaie toujours d'aller vers les autres. Donc, l'industrialisation passe par le contrôle de l'énergie. Si les Comores veulent devenir un jour un pays industrialisé, nous devons savoir où tirer notre énergie. Et cette énergie doit être tirée dans la mer, dans le soleil. Et à partir de ce moment-là, on réglera le problème de déforestation lié à la coupe de bois pour aller produire son riz. Parce que si tu n'as pas réglé ce problème-là, comment je fais? Les gens qui sont en train d'extraire du sable à Moëlie, ils ne font pas ça par gaieté de cœur. Ce n'est pas en se disant j'ai envie de détruire l'environnement. Ils ne font pas ça pour ça. Ils se disent je dois construire une maison pour éviter que le prochain coup de vent ne balaye ma maison en bambou. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre des maisons en dur. Et comment je fais des maisons en dur? Il me faut des briques. Et comment je fais des briques? Je dois faire des briques industrielles en terre cuite. Et où est l'énergie? Vous voyez? Tout se tient. Tout cela se tient. Tu n'as pas réglé le problème de l'énergie, tu ne feras pas d'industrialisation. Et l'Afrique a toujours le même problème. Vous allez dans des grandes capitales, vous allez vous dire, est-ce qu'à Dakar, il n'y a jamais eu de coupure de courant? Si, il y en a. Dans toutes les grandes capitales africaines, vous avez des coupures de courant, vous avez des problèmes énergétiques, vous avez tout cela. Et le pétrole qu'ils importent, vous allez vous rendre compte que Dakar n'importe pas son pétrole du Nigeria, mais il va l'importer, il l'importe, il vient de l'autre côté.
il a fait tout un tour. Parce qu'il a fallu qu'il aille être raffiné de l'autre côté, etc. Donc là, je parle effectivement de la problématique africaine en général, mais c'est pareil pour nous, Comoriens. On a été capable de construire de mettre de la fibre optique en utilisant la mer qui nous a permis de relier l'Afrique de l'Est aux Comores. Ben, il serait temps qu'on imagine notre énergie en disant, Mozambique, il faut qu'on travaille ensemble. Comment on fait pour avoir de l'électricité? Comment on fait pour avoir des câbles marins pour pouvoir alimenter? Tout un travail qui doit nous obliger à réfléchir par nous-mêmes. C'est pour ça que je dis toujours aux gens, parlez par le cœur, par vos tripes. Arrêtez de dire ce que nous ont appris l'école. L'école nous a appris à être des esclaves et on restera des esclaves. Nous nous libérons le jour où nous allons nous dire que nous avons appris des théories et que ces théories, il va falloir que nous-mêmes nous découvrions la manière de les mettre en œuvre chez nous. Et donc, ne désespère pas parce qu'il y a plein de jeunes qui sont là. Et ces jeunes-là, notre travail, c'est de leur transmettre cette façon de penser par le cœur et de penser par nous-mêmes. Ok. Pour améliorer ou faire en sorte qu'il y ait aussi de la lumière, parce que c'est ça ce qu'on parle pour notre pays, qui va permettre de faire des industries, des entreprises. Mais j'ai renseigné aux Comores à partir des panneaux solaires qu'ils ont été installés à Fumbuni, que le Mamoué a été proposé de prendre presque 70% du coût du péage pour que la lumière du panneau solaire fonctionne du matin au soir. Mais il y a quelqu'un qui m'a dit que ils ont refusé cette offre. Jusqu'à maintenant, les panneaux solaires ne fonctionnent pas, alors qu'ils sont capables d'alimenter presque le Mbadjini, on peut dire comme ça. C'est ça ce que je voulais ajouter, qui est un peu... Je peux contribuer un peu sur ça? Absolument. Oui, bien sûr. Mais si je... On ne te voit pas en fait. Oui, ça va. Je suis dans la nature. Hein. Il fait beau ici. C'est pas grave. Il est parti à la plage. Non, je suis dans la nature, exactement. Moi, je peux contribuer sur ou apporter suggestion par rapport à la question. Je n'entends plus. La question a été posée par notre frère. Comment pour réparer? Il n'y a pas de moyen de réparation. Tout ce qui est déjà dégradé et détruit. Merci. Il faut savoir que depuis 1972, qu'il y a eu la première réunion pour la conférence pour l'environnement, qui a été supposée jusqu'à le 5 juin à chaque année qu'on organise Journée mondiale de l'environnement pour la protection de la planète. Il faut savoir que jusqu'à aujourd'hui, bientôt, il y aura la 27e conférence des parties, qui s'appelle la COP 27, qui sera directement en Égypte. Uniquement, ils ont trouvé deux mois ou deux mesures. Il y a les mesures d'atténuation et les mesures d'adaptation. Il faut que les mesures d'atténuation, il faut qu'on agisse dans les causes. Qu'est-ce qui a causé aujourd'hui sur la dégradation ou la destruction de la planète, surtout sur la rareté des produits halieutiques au niveau de la mer ou la disparition totale de la biodiversité marine? Il faut savoir c'est notre comportement exactement, c'est le mode de notre comportement, à savoir l'urbanisation et à savoir les rejets des déchets domestiques, des déchets ménagers ou les déchets industriels. Donc il faut agir dans les causes. Mais pour cela, il faut s'adapter à tout ce qui est déjà. À chaque fois, on arrive dans notre pays, à chaque année, des inondations qui ravagent ou qui détruisent pas mal des habitations, parfois on enregistre même des décès à chaque année. Moi, je vous dis là où je parle actuellement, au Sénégal, ils ont déclenché le plan d'organisation des secours.
par rapport aux inondations qui se passent actuellement au Sénégal. Depuis hier soir, le ministre de l'Intérieur a déclenché une navette. Donc, notre pays, il doit programmer un plan national d'adaptation sur, dans le monde entier, c'est un peu le plan de gestion intégrée des zones côtières. C'est là que je dois tout parler. Le plan de gestion, le plan national de gestion des gestion intégrée des zones côtières. Dans notre pays, il n'y a pas certains des plans. Ici, il y en a, il n'y a pas de la mise en application. Il faut respecter toujours les textes juridiques, soit au niveau international. Tout d'abord, toutes les conventions qu'on a signées, il faut respecter. Il faut encore mettre en place d'autonomie, de sensibilisation et d'éducation à la population. Il y a ceux qui sont faits de l'extraction du sable par l'ignorance, qui ne savent pas si après il y a des dangers, mais il faut les éduquer. Il faut les sensibiliser. Moi, je peux contribuer encore, il faut encore accompagner pour des recherches. Puisque dans notre pays, il manque des informations, des études qui ne sont pas par rapport, supposons, comment identifier à tel endroit on peut trouver les thons, comment identifier à tel endroit qu'on peut trouver des quais, comment évaluer la morphologie et l'évolution morphosédimentaire de nos plages, comment avoir des scénarios si la mer il peut venir jusqu'à tel niveau d'ici 2050. Donc, il manque beaucoup d'informations. Il y a certains de jeunes comme je remercie comme initiative qui sont prêts à surtout de faire des études sur l'évolution morphosédimentaire de nos côtes. Donc c'est parmi les facteurs, il faut commencer à faire des études, avoir certaines informations, avoir comment protéger d'ici 2050 de notre population. Mais savoir, il y a sur la question de l'énergie, que le monde actuellement parle sur un peu la transition écologique, la transition écologique et la transition énergétique. Notre pays dispose d'une potentialité non négligeable sur les énergies. Nous disposons exactement le soleil qui est toujours abondant. Nous disposons la mer qui on peut directement exploiter comme source d'énergie. Il y a la biomasse. Etc. Donc, c'est-à-dire que tout cela, il manque des initiatives de nos dirigeants qui n'ont jamais à essayer, qui n'ont jamais mettre en place ou mettre en valeur toutes les potentialités qui existent. Aujourd'hui, on y dispose de la mer dans les quatre points de coordination. Il y a toujours absence de menu, de protéines dans le menu quotidien. Il n'y a pas de poisson à chaque fois. Toute la population souffre avec des protéines animales d'origine de poisson. Comment se fait-il qu'on va résoudre ce genre de problème? Donc, il s'agit, tout ce que je peux dire, il faut penser globalement, agir localement. Il faut qu'on pense pour d'une manière générale, mais il faut commencer dans nos localités, il faut commencer dans nos chambres tout d'abord, à éteindre la lumière si vous n'avez pas besoin d'utiliser. Il faut penser dans nos villes, il faut toujours agir dans nos villes, dans nos localités et dans nos îles, qu'on puisse apporter des contributions, des solutions face aux problèmes liés dans notre pays. Oh, je m'arrête là et je m'excuse au cas où. Est-ce que je peux ajouter quelques mots, Semi? Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Oui. Excellent, très bien, Andum, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est à peu près ce que j'ai dit quand j'ai parlé d'énergie. Alors, je voudrais peut-être apporter quelque chose qui m'est resté comme une boule dans mon... parce que je trouve ça inacceptable. Vous savez, en France, il y a un monsieur qui s'appelle Bolloré. Ce gars-là, il était personne. Moi, je le dis, hein, il était personne. Mais il a su se servir de l'influence de la France pour devenir le roi de toute l'Afrique à gérer les ports, tous les ports qui ont été construits. C'est lui, les routes, c'est lui. Tous les investissements qui ont été faits, notamment dans l'Afrique francophone, c'était lui. Ce gars-là est devenu milliardaire. Et la seule réponse qu'il donne à tous les Africains, c'est d'acheter des chaînes télé en Europe, notamment en France, les chaînes télé où il y a la haine contre nous autres personnes de couleur d'argent, c'est-à-dire nous les Noirs. Donc, notamment ces news où on voit toute la haine qui est produite. Voilà un peu ce qui se passe. Ça, c'est des pratiques qui datent des années 60, etc. Tu vois, on est sur des choses qui datent. On peut comprendre que cette époque-là, ça existait. Aujourd'hui, le jeune Abdillah me dit, à Fumbuni, la centrale photovoltaïque qui a été mise là-bas aurait pu alimenter. Mais cette centrale est pour moi à l'image du fait que l'Afrique n'a toujours pas intégré son potentiel.
Pourquoi? Parce que dire qu'en 2022, l'État comorien signe un contrat de 25 ans avec une petite société, vous cliquez « e-vente » sur Internet, ça personne ne connaît, c'est une petite société. Sa seule richesse, c'est d'être blanc. Dites la vérité. Et donc, c'est lui qu'on va donner tout le potentiel en photovoltaïque. Est-ce que vraiment la diaspora comorienne, il n'y a pas 2, 3, 4 ou 5 qui seraient d'accord pour aller voir leur banque et leur dire « je veux avoir un contrat de 25 ans » 25 ans, où on me dit « tout ce que tu vas produire comme électricité, la mamoué va l'acheter ». Ça, vous avez compris, hein? Tout ce qu'ils vont produire pendant 25 ans, la mamoué a l'obligation d'acheter. Donc, quelle est sa perte à ce monsieur-là? Qu'est-ce qu'il a mis? C'est de se dire, j'ai un gouvernement suffisamment idiot qui a accepté de signer un contrat de 25 ans, me donnant l'exclusivité. Et donc, à ce moment-là, je vais pouvoir m'étaler. D'ici 50 ans, ce bonhomme-là, ce jeune-là, devient multimilliardaire et on en parle comme d'un grand groupe international qui est spécialisé dans les énergies, dans le photovoltaïque. Je trouve ça scandaleux. Je trouve ça même insultant qu'en 2022, ce genre de choses existe. Que la mamoué n'est pas capable elle-même de faire des crédits en tant que société et de produire du photovoltaïque, mais qu'elle ait besoin de se mettre une corde au cou en disant tu as obligation de payer l'électricité de tel ou tel ou tel ou tel. Je trouve ça scandaleux. Honnêtement, quand en 2022, ce genre de pratique existe encore, ça me coupe l'air de la respiration. Franchement, rien que d'en parler, ça me donne mal à la tête. Mais voilà, pour que vous compreniez l'état d'esprit qu'ont un certain nombre de dirigeants africains jusqu'alors aujourd'hui. Vous êtes directeur de la mamoué. Qu'est-ce qui t'empêche en tant que société de faire des crédits d'investissement en te disant ben, je vais rembourser comme toute société? À quoi servent toutes les autres banques? À quoi sert la banque centrale? C'était une plaisanterie celle-là. À quoi servent toutes ces banques si une société comme celle-là qui a le monopole de distribuer l'électricité n'est pas capable d'en prêter de l'argent pour investir d'elle-même, mais elle a besoin de passer par d'autres sociétés, etc. C'est incroyable. On a une question et peut-être qu'ensuite on pourra conclure. C'était donc comment renforcer la formation dans le domaine de la pêche? Parce que tout à l'heure, en plus, on a parlé de notre sœur bah, qui est malheureusement Ouda, qui n'a pas pu participer, qui a été formée et qui malheureusement n'a pas été recrutée à l'issue de cette formation. Est-ce qu'il y a possibilité de vous exprimer tous sur ces deux points, sur comment renforcer la formation et peut-être un petit mot sur l'absence de débouchés en fait, qu'il peut y avoir aux Comores dans le domaine de la pêche et même de l'économie bleue de manière générale. Merci. Alors, cette question, ben, vous prêchez un convaincu. Moi, je considère que ce qui sauvera l'Afrique et ce qui sauvera les Comores, c'est sa jeunesse formée et bien formée. Bien formée pour affronter les... comment on appelle ça, pour affronter les problèmes qui lui seront de son époque, qui sont celles que nous vivons aujourd'hui et celles que nous vivrons demain. Donc, formé, je l'ai dit tout à l'heure, on avait une licence de biologie marine, on a parlé également d'école de pêche. Et si un jour vous arrivez à y aller, l'école de pêche, c'est une institution qui est en train de mourir, de se mourir à l'abandon complètement. On a laissé ça dans un coin là-bas. Et ils doivent se débrouiller avec des budgets absolument, on va dire, des miettes. Et donc, c'est impossible de travailler dans ces conditions comme ça. C'est-à-dire, quand vous dites que c'est un secteur qui est important, on met les moyens de former. Parce que l'éducation, ce n'est pas, quand les gens disent, c'est des dépenses, on va faire des dépenses pour payer des enseignants, on va faire des dépenses pour équiper, on va faire des dépenses, on va faire des dépenses. L'éducation, ce ne sont pas des dépenses. Ça s'appelle des investissements.
on investit dans l'avenir. Et pour cela, on ne peut pas parler de dépenses. Donc, il faut absolument que l'école de pêche redevienne une vraie école de pêche et permette d'avoir, on va dire, les outils pour avoir une pêche moderne. Mais ça ne suffira pas. Parce que pour avoir une pêche moderne, il faut avoir accès à des investissements. Alors, on parle de débouchés. Le débouché, il est là. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez formé, il faut que ces promotions formées puissent avoir une subvention, un financement de l'État leur permettant d'avoir les équipements qui leur permettent de faire une vraie production raisonnée, raisonnable, avec des méthodes qui vont protéger l'environnement. Si vous formez et vous les laissez, ils ne sont pas capables d'investir tout seuls, ils n'ont pas les moyens. Et si en plus, dans les services où ils devraient être recrutés, ne serait-ce pour essayer de mettre en place les outils pour les générations d'après, ils ne sont même pas recrutés. Donc, ça pose énormément de problèmes. C'est-à-dire que la formation, c'est la base. C'est l'investissement par excellence. Il y a un proverbe qui est attribué à tort et à raison à beaucoup de gens. Tous ceux qui aiment quelqu'un, ils disent que c'est lui qui a dit ça. Quand tu as envie de détruire un pays, ce n'est pas des bombes qu'il faut leur jeter. Il faut détruire leur éducation. Donc, si tu as envie de développer, donc tu peux faire le même, on peut absolument dire la même chose, mais dans l'autre sens. Si vous voulez sortir un pays de ses problèmes, il faut lui garantir une éducation la plus adaptée et la plus et ne pas rechigner sur les moyens à mettre de l'éducation. Il ne faut pas rechigner. Il ne faut pas dire c'est un projet qui va financer la pêche. Non, c'est notre patrimoine. C'est notre richesse. À partir de ce moment-là, on met les moyens parce que c'est un investissement pour l'avenir. C'est un investissement pour l'avenir. Si on n'a pas des ingénieurs capables de fabriquer eux-mêmes les éoliennes qui seront les plus adaptées à notre mer, parce que les éoliennes qui sont fabriquées par les Allemands, ils ne sont pas adaptés à des mers où il y a des volcans, où il y a des cyclones ou des vents violents. Ce n'est pas adapté. Si vous voulez parler de ça, il faut que ce soit nous qui fassions nous-mêmes notre propre recherche, nos développements, et que nous élaborions nous-mêmes les équipements dont on a besoin. On parle du solaire. Mais à quoi ça sert? Ça veut dire que quand on va dire on va investir dans les panneaux solaires, ça veut dire qu'on va acheter des panneaux en Chine et devenir maître. Donc nous, notre travail, ça va être de planter des talents. Mais le chômage, on le règle comment? Il faut former là aussi des spécialistes, des gens qui sont capables de monter, de fabriquer, de finir un travail industriel sur place. Et ça, l'Afrique ne veut toujours pas le faire. Et les Comores encore, on est à des années-lumière de ce qu'il faudrait faire et des orientations qu'il faut prendre si on veut sortir de là. Merci. Ah, peut-être qu'Abdillah a envie de rajouter quelque chose. Oui, vas-y. Et après, il y avait aussi des questions toujours de Useful Joy, qui nous avait posé quelques questions que je n'avais pas vues. Je peux contribuer un peu sur ça, puisque. Oui, bien sûr. Vas-y. Tout a été dit avec son Excellence, ancien doyen de la Faculté des Sciences, sur les renforcements. Il faut toujours, puisque c'est que nous, on dispose sur renforcement des formations. C'est que nous, on dispose d'une université qui est toujours à l'état embryonnaire. Donc, le max, c'est-à-dire que le gouvernement, il doit toujours, le ministère en charge de l'éducation, il faut toujours accompagner ou élargir pour les formations d'extension professionnelle. Puisque ce qui manque dans notre pays, c'est des formations professionnelles. Il n'y a pas de formation professionnelle dans le cadre soit de la pêche, exactement, soit de l'agriculture ou autre formation sur l'artisanat. Donc, il y a manque beaucoup sur des formations professionnelles. Donc, il faut savoir que les formations qu'à chaque fois que l'université dispatche, il s'agit d'économie, droit, et ici, c'est cette formation pour la faculté des sciences. Et ici, a été initié par Dr Achimet pour ouvrir une formation pour la biologie marine, qui a formé pas mal d'étudiants comoriens actuellement qui se trouvent ailleurs pour faire des spécialités. Mais le souci, c'est qu'il faut que l'université ou l'État il doit directement s'orienter sur les formations professionnelles. C'est là, il n'y a pas de développement
dans un pays sans des formations professionnelles. Donc, il faut savoir que notre administration est directement est égorgée par rapport. Il y a pas mal des auditeurs, il y a pas mal des spécialistes en droit, il y a pas mal, mais dans la profession, il n'y a aucune spécialité sur la profession. Pour mieux orienter le développement dans le secteur, il y a le secteur, si on parle de secteur de l'économie bleue, il faut savoir, il y a l'énergie marine, il faut former des jeunes pour l'exploitation de l'énergie marine, il faut former, si demain on commence à faire l'exploitation du pétrole, il n'y aura pas des ingénieurs en matière d'exploitation du pétrole. Comment il faut que l'État doit orienter les formations, depuis du lycée jusqu'à l'université. Comment on va orienter? Comment les besoins d'ici 2030? Comment les besoins d'ici 2050 que notre pays on envisage? Vous savez qu'à chaque fois que nos dirigeants disaient qu'on nous allait exploiter, récemment, M. Saïdi nous a dit qu'en 2024-2022, vous commencez à faire l'exploitation. Il n'y aura pas aucun ingénieur local qui doit accompagner, soit les sociétés à l'extérieur pour aller accompagner. Il faut que, comment on va commencer? Il faut commencer par la formation. Comment? Au Sénégal, plus de 60% du budget de l'État sont consacrés uniquement pour l'éducation. Le Sénégal, il reste parmi les pays que tout le monde fait le tout pour y avoir de la formation au Sénégal. Donc, le Maroc, quand on parle, tous les étudiants marocains qui font de la médecine, ils le font au Sénégal. Pourquoi? Parce qu'ils ont investi pour l'éducation. Donc, il n'y aura pas un développement sans une éducation. Mais l'éducation, il ne faut, faut pas l'éducation de qualité, mais de quantité, mais une éducation en qualité. Et donc, je m'arrête là sur ça. S'il y en a d'autres questions qu'on peut partager ensemble, nous sommes là. Rien à ajouter. Merci, André. Merci. Alors, brièvement, okay, merci. Merci. Brièvement, on va peut-être voir les questions de Youssef Ouja et ensuite, si vous voulez bien, on conclura car on arrive au terme des deux heures. Donc, si c'est possible d'avoir un petit mot sur ces questions-là. Donc, comment expliquez-vous que ces alliances entre ultramarins ne soient pas encore faites? Est-ce que la France les empêche de communiquer? Est-ce que ces États n'ont pas la volonté de travailler ensemble? Où sont les initiatives privées des Comoriens? Il n'y a pas de Comorien riche qui peut assister les ingénieurs afin de décrocher un appel d'offres au niveau de l'énergie? Et enfin, y a-t-il un réseau alumni des ingénieurs en énergie venant des Comores? Donc voilà les questions de notre cher internaute. Youssef Joy, il nous titille et voilà le genre de personne que moi j'adore. Voilà oui. Le genre de personne que moi j'aime bien. C'est les personnes qui se posent des questions. Et je pense que ces questions, ils ne les posent pas à nous. Bien entendu, pourquoi est-ce que les ultramarins n'ont jamais réussi à se réunir pour travailler? Vous pensez bien. Vous pensez bien. Alors, je vais vous expliquer, cher ami, comment on arrive à la COP. Il y a un expert qui est envoyé, qui arrive dans les pays, qui vient discuter avec nous et on définit ce que nous allons faire, nous. Avec cet expert et la délégation, quand elle arrive là-bas, elle arrive avec son petit papier et tout ce qui a été marqué. Et en général, c'est exactement prédéfini dès le départ. Il n'y a rien qui sort de ces gens-là. Le discours que le président de la République d'un pays va les faire, si vous ne le savez pas, il est pratiquement écrit par les gens qui accompagnent cette délégation. Par rapport, c'est pas un reproche, attention, je suis pas en train de critiquer les gens qui l'accompagnent en ayant fait ça. Non, parce que pour préparer ce document, il a fallu réunir des gens qui doivent venir d'Anjouan, de Moéli, d'Ongazidja pour venir s'asseoir, etc. Il fallait que quelqu'un paye leur billet, paye leur nuit d'hôtel là où ils se retrouvent. Cette personne qui a payé, ce n'était pas l'État comorien. C'est un programme, je ne sais pas, FEM, machin, etc. Donc, c'est eux qui définissent après la stratégie. Gardez en tête, vous savez, nous sommes le 6, il y a 4 jours, un grand homme a décidé, après plusieurs années d'insultes, après l'esclavage, après la colonisation, après avoir été traité comme moins que rien, après avoir été comparé à des singes, un grand homme est arrivé à la tête de son pays, il a dit, à partir de maintenant, cet État-là s'appelle la patrie
des hommes intègres. C'était le 4 août. Donc, une date que tous les enfants, tous les Africains doivent garder en tête. Le 4 août, Thomas Sankara dit, ce pays-là s'appelle, à partir de maintenant, la patrie des hommes intègres, le Burkina Faso. Et lui, il a dit, il est normal que la main qui te donne à manger te dicte ta conduite. Effectivement. La main qui te donne à manger te dicte la conduite. C'est ça. À partir du moment où c'est eux qui vont financer même nos discussions entre nous pour parler de nos problèmes, comment voulez-vous qu'on ait des initiatives de nous-mêmes en disant « je vais aller appeler Trinité Tribago, je vais aller appeler Seychelles tout seul », alors que si j'appelle Seychelles, ça va être l'Union, ça va être la COI qui va vouloir payer, et pour payer, la COI est financée pratiquement à la totalité par l'Union européenne, en passant par la France. Donc, à un moment donné, il faut être cohérent. Si vous voulez avoir vos propres idées, vous devez les concevoir de vous-même, par vos initiatives. Et donc, si il n'y a jamais eu ce consortium des pays ultramarins pour aller dire ce qu'ils pensent, ce n'est pas très compliqué. L'initiative n'a jamais été, on va dire, à l'esprit avant d'aller discuter. Et là, ça suppose qu'il y a des ministres de l'agriculture, des ministres des affaires étrangères qui partent dans ces pays-là et qui vont discuter jusqu'à établir à partir des données qui sont connues et de dire, voilà notre position et nous serons intraitables. Et qu'est-ce que vous voyez? Pendant que les gens sont en train de discuter à la virgule près, pendant que les Occidentaux, les Chinois, les Indiens discutent à la virgule près, nous, on est passé, on a fait notre discours, on a fait nos selfies, on est parti. Ça ne nous regarde pas. On a fait notre discours, nos selfies, on est parti. Tu es content? On a fait la photo avec un président de tel pays, etc. On met ça sur Twitter. C'est bon, j'ai rempli ma mission. Non, ce n'est pas là la mission. Alors que les autres sont en train de se battre à la virgule près. Et bien ça, quand on arrive dans ces instances-là pour discuter, on doit nous battre pour notre survie. Et quand on y arrive, on n'arrive pas en disant « s'il vous plaît, soyez gentil ». Non, on dit « vous avez fauté, il faut payer ». Et est-ce qu'il y a un réseau d'alumni ingénieurs? Ben, je sais qu'il y en a plein. Est-ce qu'ils ont réussi à se mettre en réseau? Je ne sais pas. Mais ça peut être une très belle idée pour Comore Initiative de lancer une plateforme pour essayer de retrouver toutes ces compétences qui sont ailleurs et de les regrouper et de voir comment ces gens-là qui ont une force de frappe intellectuelle, mais une force de frappe aussi financière, peuvent ne serait-ce investir ensemble dans l'énergie. Et que je ne vois pas, puisque j'ai bien vu que Event aussi va avoir un autre contrat pour Moëlly, et que ce soit d'autres qui puissent investir dans l'énergie aux Comores à ce moment-là. Oui. Oui, pourquoi pas. On a déjà commencé par un groupe de discussion sur LinkedIn avec, disons, toutes ces personnes qui sont dans ce secteur. Et... Oui. Ok, donc je vais vous inviter à conclure. On arrive au terme de ces 2 heures et puis on mettra fin au live, enfin à la conférence. Peut-être que Andoum et Abdillah veulent commencer, vu qu'ils avaient ouvert le bal. Andoum est à la plage. Non, je suis là, mais toutefois, je dois remercier. Mais toutefois, par rapport à la dernière question qui a été posée, qui est Achimed, il a bien répondu. Moi, je veux rappeler à Dr. Achimed, si je ne me trompe pas, c'était en 2015, il y avait colloque international de la francophonie qui était à l'Assemblée nationale. Là, il avait montré la potentialité des ressources de capital humain dans notre pays. Moi, j'avais vu un Français qui a montré, puisque le président de l'Assemblée, c'est Dr. Hussein, le doyen Dr. Sauban, le ministre de l'Éducation, le feu Dr. Abdelkarim, ils ont eu peur qu'ils montraient que c'est un petit pays, mais il y a de la richesse. Puisque les institutions, c'était ce sont de docteurs qui a présenté dans la présentation. Donc, il y a pas mal de projets qui ont été mis en œuvre. Il y a la géothermie,
dans la région de Mitsamihuli au nord, il y a pas mal de projets pour la géothermie qui étaient totalement été développés. Mais le souci, c'est que nous, on n'a jamais donné la chance à la personne qui a la maîtrise, qui a les capacités à développer. Tu n'as jamais, ça sera possible si demain, il y aura la COP, bientôt qui sera la COP27, que le ministre de l'Environnement, Msaïdié, qui n'a jamais fait la formation, qui va apporter une contribution par rapport au phénomène lié au changement climatique dans notre pays. À savoir que notre pays, parmi les pays les plus vulnérables, c'est le pays de fonds verts qu'on peut bénéficier pas mal. Mais le sujet, c'est qu'on n'a jamais donné la chance, c'est qu'ils ont directement la formation, la capacité à apporter certaines des contributions. On laisse les choses se faire par la politique. Si tu n'entres pas dans la politique, ça c'est très difficile. Donc nous, on n'a jamais participé dans les négociations pour le climat, mais on assiste uniquement. Parce qu'on n'a jamais participé, on n'a jamais porté des contributions. J'ai appris récemment que le pays, ils ont porté une politique de reboisement d'ici 2000 combien pour des 30% de la territoire national. Mais comment exactement on va s'en cibler? Puisqu'il s'agit des activités doivent être inclusives et participatives. C'est les citoyens exactement qui doivent directement impliquer. On n'a jamais impliqué la population. On n'a jamais fait appel à la participation supposée des groupes féminins ou créer des associations locales qui doivent s'en charger. On n'a jamais décentralisé les pouvoirs au niveau de communes. Donc, ce problème, on ne peut pas résoudre ce problème avant tout d'abord à conscientiser la population. La France, qu'ils ont déjà mettre la politique de réduction ou des politiques de gestion des ordures ménagères, ils ont mis plus de 10 ans ou 20 ans à sensibiliser, à éduquer. Ils ont instauré l'éducation dans les écoles maternelles, écoles primaires, lycées, jusqu'à ce que les enfants soient conscientisés, soient pris toutes les formations. Donc, pour cela, moi, je peux ajouter qu'il n'est pas tard dans notre pays. À chaque fois, on enregistre pas mal des ingénieurs, des docteurs, des professeurs qui sont partout dans le monde. Mais il reste ça, il faut donner la chance, surtout aux jeunes, pour apporter la nouvelle technologie dans les différents secteurs. Quand tu passes dans les services, soit dans les ministères, tu vas trouver c'est Excel, c'est le seul logiciel qui est le plus utilisé dans notre pays. Le monde, ils ont déjà développé dans plusieurs logiciels qui veulent tirer sur la comptabilité. Si tu veux changer, utiliser Sage ou autre dans la comptabilité, ce sera directement raillé par le chef. Ce sont des vieux qui sont là, qui ne veulent pas directement abandonner leur boulot. Donc, raison pour laquelle il n'est pas tard, c'est de mener à sensibiliser surtout les jeunes, sur ceux qui, nous qui sommes déjà sur place, et ceux qui sont d'ailleurs à portée de contribuer, ceux qui sont ailleurs pour la diaspora, de porter surtout soutien, puis surtout, même si on a l'initiative. Mais j'avais beaucoup d'initiatives, j'avais beaucoup de projets que j'apportais dans notre pays, comment mettre en place des associations ou accompagner certains. Mais si je vois la situation actuelle, même, je dois même prendre l'envie demain pour aller ailleurs, même si Madagascar, pour m'installer. C'est ça, c'est la situation qui est dans notre pays. Et raison pour laquelle, c'est il faut toujours que les choses ici, ça, c'est pas du tout facile. Il faut encore voir beaucoup d'initiatives, surtout dans la jeunesse. S'il y a des gens, 2, 3, 4, 5, 10, qu'on s'assoit à discuter, à parler. Donc, pour trouver certaines des solutions qui seront durables et pérennes, que notre pays sera parmi les pays les plus développés d'ici horizon 30, comme disait le président, qui sera parmi les pays les plus émergents ou pas par rapport aux autres. Et je vous remercie encore de cette initiative par rapport comme initiative. Et encore, je présente au cas où il y avait un incident majeur, soit la présentation, que j'ai pris beaucoup de paroles ou il n'y avait pas beaucoup d'explications, je n'ai pas pu expliquer. Voilà, c'est une chance qui nous donne aussi encore pour avoir l'habitude d'exprimer ou de partager tout ce qu'on a par tout le monde. C'est une initiative comme de sensibilisation et éducation. Et je vous remercie encore une fois. Passez un bon week-end à tout le monde. Merci, Andrew. Ok. Moi aussi, je veux remercier aussi comme initiative de m'avoir donné cette opportunité d'être ici. Que ce panel contribue un peu de ce qu'on connaît et de ce que le pays traverse. Parce que tous les pays n'avancent pas tout plan d'initiative
des projets ou des opérations commence par la sensibilisation des communautés. S'il n'y a pas sensibilisation des communautés, tous les projets ne sera pas opérationnel. On peut commencer ou écrire simplement et puis publier et on n'aura pas des intérêts à ce projet. Puis, comme on nous a demandé, comme Dr Saïd Hassan a dit, les défis urgents et majeurs auxquels le Comore doivent relever pour le développement de la filière pêche, moi je pensais directement qu'il faut faire une sensibilisation aux communautés locales pour prendre soin aux écosystèmes terrestres. Parce que si on parle de la mer, il faut parler d'abord du terre. Donc, la terre, il y a les déchets non biodégradables qui n'ont pas jusqu'à maintenant des entreprises ou on peut dire la mairie responsable de ces déchets. Il y a aussi il faut créer aussi un ou plusieurs endroits, je peux dire des sites de toutes les régions pour le décharge de ces déchets ainsi que le moyen pour les déchets plastiques et dangereux, on peut dire les ordures ménagères et les ordures des déchets hospitaliers. C'est ça ce que moi je veux dire parce que il y a manque d'infrastructure ou d'ignorance, parce que c'est ça ce qui mène le pays à immerger jusqu'à aujourd'hui, c'est l'ignorance du gouvernement et aussi de la communauté de Comores. C'est ça ce que je voulais ajouter et merci pour cette opportunité. Merci Abdillah. Merci. Je vais rejoindre Anzim Abdillah pour dire très bonne initiative. Ce genre de débat doivent être les vrais débats qui doivent nous animer, nous motiver. On passe beaucoup de temps, nous autres Africains, Comoriens en particulier, à parler de sujets que je considère comme étant complètement dépassés par les enjeux qui nous attendent. Et il serait temps qu'on se pose les vraies questions et qu'on se mette à y travailler sérieusement. André m'a dit quelque chose qui est une triste réalité. Il a dit... là maintenant, si ça continue comme ça, il va essayer de se trouver une autre terre d'accueil. C'est un constat. Samy, c'est pas à toi que je veux dire ça. Tu vois toutes les difficultés que nous avons eues à organiser cette discussion parce que nous avons des fuseaux horaires absolument éloignés, etc. Tout ça pourquoi ? Qui fait que l'intelligentsia comorienne est exclue et chassée à la limite de son territoire. Et donc, comme dirait l'autre, j'aime bien cette référence, les médiocres ont pris le pouvoir et donc les débats sont ramenés à un niveau qu'il est impossible de pouvoir placer un mot parce que entre ceux qui se battent pour le débat du grand mariage, ceux qui sont sur la taille du boubou, la taille du Mharuma, la couleur de l'or, c'est des débats de gens qui n'ont pas encore intégré le vrai problème qui nous attend, à savoir que notre État peut disparaître d'ici 2050, 2100, notre État peut disparaître si rien n'est fait. Il y a des projections, je ne sais pas si vous les avez vues, il y a des projections qui montraient Mayotte, parce qu'il y a eu des études qui ont été faites dessus, que si rien n'est fait, d'ici 2070, la Grande Terre, il n'aurait que la partie élevée, l'autre partie va aller dans l'eau, etc. Donc, ce sont des vrais problèmes. Nous avons un territoire qui nous est
complètement méconnue. Nous ne connaissons pas notre territoire. La mer, c'est notre territoire. Nous avons 98,6% de notre territoire qui est de l'eau. À partir de ce moment-là, on ne peut pas comprendre que depuis l'école primaire, les enfants ne sont pas initiés à cette vie marine. Les enfants ne connaissent pas le potentiel qu'on peut sortir. Nous avons tant de choses que cette nature peut nous apporter si nous décidons nous-mêmes d'être en harmonie avec elle. Et donc, je considère que notre avenir est dans cette mer. Ce n'est pas juste des expressions, entre guillemets, sexy et qui sont à la mode que de dire économie bleue. Dans certains pays, dans leur budget, le budget de l'État intègre la part qui peut être apportée par l'eau. Aujourd'hui, il y a un pays qui se vante d'avoir le plus grand territoire du monde, marin du monde, c'est la France, parce que la Martinique, Guadeloupe, la Corse, etc., ça lui fait un gigantesque territoire sur lequel toute une économie est mise en place et toute une industrie est mise en place et se développe et contribue à la richesse de ce pays. Nous, on a tourné le dos à notre territoire et donc à ce moment-là, nous sommes en train de pinailler, de nous batailler sous des petites choses alors que les vrais enjeux sont ailleurs. C'est comme si on nous a dit, on nous a jeté quelques graines de riz, battez-vous dessus pendant que les autres s'occupent des choses sérieuses. Ben, il est temps maintenant que des gens s'occupent des choses sérieuses pour que nos pays, l'Afrique, les Comores, puissent enfin retrouver de l'honneur. Quand je dis de l'honneur, ce n'est pas de dire que j'ai un drapeau. Ce n'est pas ça qui fait d'un pays, qui donne de l'honneur à un pays. Ce n'est pas parce qu'on a une hymne nationale qu'on a de l'honneur. Non, ce n'est pas ça du tout. Ce qui fera de l'honneur, c'est de voir aucun Comorien, aucun Africain mourir dans la Méditerranée pour traverser depuis la Tunisie pour arriver en Europe. Ça, c'est l'honneur. L'honneur, ce sera qu'il n'y ait pas aucun Comorien qui meurt entre Anjouan et Mayotte juste pour aller, pour fuir Ngazidja et Nzouani et Mwali. C'est ça l'honneur. À chaque fois qu'il y a un Comorien qui meurt dans la mer, c'est le déshonneur. C'est un déshonneur pour ceux qui se sont battus pour notre indépendance. Chaque génération a sa bataille. Chaque génération a son combat. Le combat de Ahmed Abdallah et de Sid Mohamed Cheikh, c'était délivrer, avoir une indépendance. Notre combat à nous, c'est de gagner, c'est de transformer cette indépendance théorique en une indépendance réelle. Et cela passe par le fait que nous soyons respectés dans notre dignité d'homme. Et on ne peut pas respecter une personne quand on jette des millions d'Africains dans le désert en disant « vous allez mourir, de toute façon, vous êtes des kafirs, votre vie ne vaut pas grand-chose ». Le fait que les Africains sont amassés dans des frontières comme on n'est même plus considéré comme la bétail, puisque la bétail, c'est ce que les gens mangent. On est considéré comme des moins que rien, des parasites partout dans le monde. Tout ça parce que des dirigeants africains n'ont toujours pas compris qu'il est temps maintenant de nous mettre au niveau des enjeux de notre époque. Donc, ce genre de débats sont importants. J'espère que ce genre de débats peuvent avoir lieu dans les places publiques, dans les villes, villages, etc., pour que tout le monde puisse comprendre que les batailles de village à village, de quartier à quartier, de machin, n'ont plus lieu d'être aujourd'hui. Mimzouani, Wamimzouani, Mimgazidja, Wasiwamwali, il faut laisser ça. Ces débats-là n'ont plus lieu d'exister. Les vrais débats, c'est parce qu'il y a le cyclone qui va ravager Moëli, va ravager Ngazidja. C'est le même. Il va ravager Anjouan, va ravager Mayotte. Il faut quitter ce genre de petits débats inutiles et de regarder le monde avec les yeux de 2022. Merci à tous. Merci à tous et bon après-midi où que vous soyez. Salam.